Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous partons en direction Marseille. Alors, Doom, bonjour Doom, bonjour, ça va? Donc Doom, en fait, il y a certains ingrédients que... Enfin, voilà, en tout cas, ça fait, c'est l'aïoli marseillais, j'ai la plupart. Voilà, donc comme je te disais, il manquait... bonjour Bigfoot. Quelques petits trucs, mais bon, on va faire un bel aïoli marseillais et ensuite on va l'accompagner d'une anchoyade. Nous allons avoir un petit peu d'oméga 3 dans tout ça. Et pas si vite, tu as dit 10h30. Ah mince! Ah oui, j'ai dit 10h30 sur le Discord. J'ai écrit max 10h30, non? Mince! Bon, ok. J'ai fait trois annonces différentes. Pouh, au secours. Ok. Ouais, ça marche du coup. Ok. Et donc, du coup, je prends les navettes que tu m'as dit, navettes marseillaises. Du coup, je voulais pas le faire, mais je me suis dit, bon, allez, un petit gâteau pour le dessert. Et voilà. Il me manque juste l'orange. Du coup, on va mettre du citron à la place. Voilà. Donc, on part en Marseille, mais voilà, à la fin du stream, on va essayer que les Marseillais soient contents. Hein? Alors, donc, on va commencer avec. Comme il faut que la pâte elle repose un peu, on va commencer avec les navettes marseillaises. Qui a volé l'orange? Ouais, non, c'est pas ça, c'est que. En fait, ici, dès que tu sors, il faut une demi-heure. Tu prends ce que. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, parfait, boum. Mais non, vous allez voir, il y a une belle assiette et tout, il y a plein de légumes. C'est parfait. C'est Michel. C'est qui, Michel? C'est Michel, c'est Mich-Mich. Ok, ça va? Pas trop de courbatures pour ceux qui étaient avec nous au sport hier? Michel de la Starac, il a volé l'orange. Ah, ok, ouais, je connais pas. Michel. Ok, ouais, peut-être, ouais. Du coup, alors on part sur nos pesées. Pour les navettes. Donc là, le but de réussir la navette, c'est juste de réussir la forme. Hein. C'est pas gagné. L'orange du marchand, ouais, c'est ça. Ouais, donc là, c'est campagne-campagne. Et même les légumes, en fait, j'ai pas eu ce que je voulais. Artichaut, il n'y avait pas. Pourtant, c'est une référence de haute culture. Ouais. Non, te prends pas la tête, Bigfoot. C'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, il y a d'autres références culturelles que j'ai, t'as vu? Sur le cadre. Bonjour, Boulvio. Salut, ça va? Comment ça va, Canada? Bonjour, Gastro. Ça va? Ouais, j'ai dit 10h30. Ouais, j'ai de plus en plus en avance. Hein. Ouais. Donc, du coup, on passe aux 125 grammes. Donc, on utilise toujours la farine de poutre. J'ai l'impression que ces derniers temps, je fais plus de points de nutrition. Merci. C'est pour être certain de manger. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Le petit clin d'œil. Ok, donc du coup, on part sur 125 grammes. Voilà, donc la farine d'épeautre, hein, je pense que farine blanche, ça sera. Quand est-ce que j'utilise la farine blanche? Samedi, c'est tombé. Street food de ouf. Hop. Il faudra me dire aussi si vous voulez McFlurry ou Sunday. Ouais. Parce que je sais pas trop, en fait j'arrive pas à me décider. Je peux faire les deux, mais j'arrive pas à me décider. Très bien, donc nous avons notre farine. Alors j'ai pas du tout fait dans l'ordre, donc on va commencer avec l'œuf et le sucre. Alors le sucre, je suis désolée, j'en ai pas. Donc ce qu'on va faire. Voilà, alors le truc en fait, c'est que je n'ai pas de sucre. D'accord, ça m'est même pas venu à l'idée d'en acheter aux courses. Donc du coup, j'ai ce sucre-là au cas où il y a des gens qui viennent et qui vendent du sucre normal. Donc ce qu'on va faire, on va un petit peu le mixer, on va récupérer 20 grammes. Ok? Et voilà, on complétera par un petit peu de sucre glace. Je vais faire 20 grammes de ça et 20 grammes de sucre glace. Comme ça, on équilibre, il faut 40 grammes de sucre à peu près. Et McFlurry tous les jours, Sunday, c'est pour les enfants. Ah, ok, donc je fais McFlurry alors. Ok, ça marche. McFlurry, M&M's. J'ai des M&M's, donc M&M's. Attendez, donc on va utiliser ça. Très bien. Alors du coup, ça va faire un petit peu de bruit. Je viens de voir l'image dans les infos de ces gastro dans sa voiture. Ah, t'as vu? Oui, normalement, il passe vite fait. Ouais, c'est dans ce milieu. Et tu vas voir ces gastro quand il est jeune. Il est un peu plus jeune. Il a un grand plan. Attendez. Non, pas encore. Ah non, attendez. Ah non, attendez. Attendez, je vous montre la vue de haut, et là normalement vous avez gastro. Ouais, voilà, il est là gastro. Quand il était jeune. Ouais, c'est bon, t'as vu gastro? Ah, oui, voilà, c'est ça.
Gastrogène, ouais, grave. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman. Ah oui, ça c'est Claude François. Ah, ça je connais, ça je connais. Bon, alors attends, écoute, on part. Donc, désolé, on va juste mixer rapidement. Ce truc est du génial, hein. Le gros mixeur et tout, comme c'est des petites quantités, c'est liable. Bonjour cafard. Salut cafard. Ça va? J'ai bien aimé ton message, donc je savais pas trop comment y répondre. Écoute, j'ai répondu comme ça. Enfin, le meilleur pour la fin. Bonjour, mon roi gastro. Voilà, c'est ça. Salut. Bonjour à tous. Ouais, j'ai oublié. Ouais. Et les cœurs aussi, oui. Ah oui, moi j'ai eu mon cœur. Donc, du coup, on va prendre tout le sucre là. On va essayer de mixer, d'avoir un petit peu en poudre. Ça fait combien ça? Voilà, donc nous avons ces 5 petits morceaux, donc on va les mixer. Et franchement, ça prend du sucre, hein. C'est pas le truc que j'achète habituellement. Le sucre était là depuis très longtemps. Quoi? Ouais, je sais, bah, c'est pour les navettes. Et en fait, je peux pas le faire avec le sucre de coco. J'ai peur que si je le fais avec le sucre de coco, en fait, il va ressortir tout marron, alors que normalement, il est blanc. Je me suis trompée de stream. Non, non, t'inquiète. Non, non, tu vas voir, après, c'est hyper équilibré. Donc, merci Doom, parce que franchement, l'aïoli marseillais, c'est parfait. Bon, on va faire une petite anchoyade aussi, vous allez voir, on va faire un petit truc apéritif. Voilà, c'est hyper équilibré, hyper sain. Du coup, voilà, on va juste avoir ce sucre-là. Ça va? C'est bon? Sûr, on en a gros. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, je veux pas que ma navette, en fait, ressemble après à tu vois quoi? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on reste sur le blanc. Juste pour la couleur aujourd'hui. Donc, là, du coup, c'est le moment où on passe, vous passez en mute. Pourquoi il y a cette boule, quelqu'un? Ouais, c'est la pétanque. C'est trop bien. Comme le truc au fond de la piscine. Ah, arrêtez! J'ai vu les images. J'ai commenté. Non, je n'ai pas commenté. Bon, mute, c'est parti. En 2,3 mouvements, c'est devenu la poudre, quoi. C'est trop génial. Donc, ok. Donc, on fait moins 20 grammes de celui-ci et je vais prendre du sucre glace. Hop, à la place. Et 20 grammes de sucre glace. Hop. Mais j'ai l'impression que c'est devenu du sucre glace en fait. Quoi, le puits marine? Oui, voilà, on avait dit blanc. Donc, j'ai pas dit tout blanc. Après, on m'avait dit turquoise. J'ai pas turquoise. Donc, j'ai mis bleu. Hop là. Et comme ça, comme si on était à la mer. Et le sucre glace. Voilà, comme si on était du côté de Marseille avec le soleil, avec le ciel bleu. Mon pauvre gastro. Allez, donc on a 20 grammes de sucre glace, ça c'est bon. C'est bon. Voilà, du coup on va le fouetter avec notre œuf. Et tu devrais consulter. Arrêtez le sneakers, mais arrêtez, mais franchement, j'ai en train de préparer la cuisine là. Vous pouvez m'enlever ces images là, c'est possible? Ok, on part sur l'œuf. On va prendre un œuf. Ils sont là. Voilà, donc là, on essaie de le prendre bio. Hein. Bon appétit. Mais c'est ça, voilà. Donc en plein de. Voilà, quand on cuisine, c'est merveilleux d'avoir ce genre d'image. Alors, attends, il faut un demi-œuf. Donc du coup, je vais le casser là. On va rajouter au fond, bien sûr. Et du coup, alors, Capin, t'as été sur sur Tinder ou pas? Alors, je mets la moitié et puis là, on va fouetter jusqu'à temps que ça mousse. Il faut. Ah, bah moi je peux te conseiller si tu veux Bigfoot pour l'arthrose. Donc évitez de trop manger de produits laitiers. Bon, bonjour Rio, comment ça va? merci pour le follow. C'était Na. Merci, ça c'est pas. J'ai pas entendu.
Tiens, ça y est, ça commence. Hop là. Bah, pourtant, le son, il est bien. Bon, bah écoute, merci pour le follow. Excuse-moi si je l'ai dit un petit peu en retard. Ouais. Oui, merci, Kappa. Ouais, j'ai vu là. Parce que du coup, en fait, ça s'affiche un petit peu après. Le sablé, ouais, le sablé. Bon. On va rajouter de l'huile aussi. Beuh! Et bonjour, bonjour Marie, comment ça va? Bonjour, ouais, comment ça va? C'est gentil, merci. La muscu d'hier porte ses fruits. Elle va plus vite, ouais. Ouais, il faut que ça mousse, du coup. Donc, on va faire le sel. Et j'ai pas de courbature, donc vous, j'imagine que ça va? Tout va bien? Et prochain stream, vous voulez quoi? On fait fessier et jambes ou on fait abdos? Vous voulez faire quoi? Ça sera samedi. Parce que j'ai toujours dans l'espoir que vous le faites avec moi. Zéro courbature, ouais, bah ouais. M'étonnes. Bon, à la fin, c'était mieux, hein. Du vélo moteur, ouais, j'ai pas le vélo. Il y a le bon qui va être livré. Mais on peut refaire si vous voulez le haut du corps, quoique. Le haut du corps, une fois de temps en temps, c'est bien. Moi, j'aime pas trop. Après, ça fait mec, j'ai pas envie de ressembler à un mec. Perso, je reste au terrain. Ouais, c'est tellement grave, qu'importe le programme, on sera là. D'accord, ok. Ok, bah écoutez, je vais voir parce que ça vous dit, normalement je fais les jambes. Demain je vais faire les fesses. Ouais, c'est ça, c'est que samedi je peux faire des fesses aussi. Ouais, je vous dirai là. Il a un peu la fesse pendant. Donc fessier, pourquoi pas? Ouais, je vais voir pour fessier. Je vais faire fessier. Comme ça, du coup, je fais deux bonnes séances fessier. Parce qu'en fait, les fessiers, j'ai travaillé de deux manières différentes. En fait, il y a une séance, c'est spécialement le moyen fessier, en fait, du coup, pour développer. Vous en avez rien à foutre, ok. Voilà. Et l'autre, c'est plus en poids. En fait, là, ça va être lourd. Donc, je vais voir. Je vais voir. Ok. Donc, du coup, on a fini. C'est en train de mousser. On va rajouter. Donc, normalement, notre orange à ce moment-là, mais nous n'avons pas d'orange. Donc, nous allons rajouter du citron. Voilà. Bon, le citron, j'en ai tout le temps. Attends, qui? Bonjour, les bras tocards. Hey, salut, comment ça va? Mais non, non, je ne te parlerai pas. Je fais 50 squats. Oh, c'est bien quand même. 50 par jour. Ouais, enfin un peu plus, hein, je pense. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Très bien, donc on part sur. Donc il va nous falloir une cuillère à café de fleur d'oranger aussi. Ça, c'est bon, j'avais. Bah, depuis, vous savez qu'on avait fait les pâtisseries orientales. Hop. Voilà, on va mettre notre jus d'orange. Programme valise et rapatriement de vieux jouets et habits, c'est sportif. Ah bon, ah ouais? Ça me fait penser, samedi matin, il y a une brocante, je vais y aller. Je vous montrerai, avant le stream, je vais essayer d'y aller. Et comme ça, du coup, après, je vous montrerai si je trouve des choses. Ok, bon, bah écoutez, on a mis le jus de notre citron. Waouh! Ok. Et puis bah, maintenant, on va mettre notre farine. Et puis après, on laissera reposer. Elle fait la tête ou quoi? Tu parles de qui? De moi, Gastro? Non! Et attends, écoute là, elle me dit qu'il en faut un peu plus. Dois-je rappeler qu'il est en. Oui, c'est vrai, c'est pas ça. C'est qu'avec 50 squats, en fait, c'est pas suffisant si tu veux développer le fessier. Après, tu le renforces, ça c'est sûr. Mais voilà, il en faut un peu plus. Après 4 pompes. Ouais, j'avoue, bah les bras hier c'était pas ça. Mais il y a des jours avec et des jours sans. Donc du coup, je m'inquiète pas, hein, ça ira, bah, ça sera très bien la prochaine fois. 4 pompes sur les genoux. Arrêtez! Arrêtez, j'ai fait les 10 bras écartés. Alors, on y va. Vous n'êtes pas gentil. Et donc maintenant, on va rajouter. C'est bon. Notre farine. Et puis, bah écoutez, après, on va laisser reposer. Et puis, on va s'attaquer à notre aïoli. Il va y avoir plein de petites cuissons, donc du coup ça va prendre un petit peu de temps. Et l'anchoyade, on le fera en dernier, c'est rapide. Faut juste mixer les anchois et tout. J'ai beaucoup de. Ah, t'as beaucoup de jours sans. Trop drôle. En fonte, n'hésite pas, les gaufres cuites en charbon, un délire. Des moules en fonte?
Ah oui, pendant les brocantes, c'est vrai que je pourrais trouver là-bas. Ouais, t'as raison. Ok, ouais. Mais grave. Ouais, ça me fait penser. Ah bah oui, c'est exactement comme la plaque. Bonjour, Score Delanor. Salut, ça va? Bon, là, j'ai hyper chaud. Ça y est, ça commence. J'ai hyper chaud. On continue. Bon, bah du coup, je pensais que ça allait faire un petit peu. J'en mets partout. Bah là, il va y en avoir. Bah, je vais faire deux grands. Hein. Ok, on va arrêter. On va continuer à la main. Et des frites en assez avec les. Les frites, tu les as, gastro. Samedi, je fais des frites avec de l'huile, comme la dernière fois. C'était juste trop bonne. Donc, comme c'est vraiment cheat meal, ça va être bien. Hop. Et si tu trouves un cendrier. Mais c'est pas possible, hein. Vous allez pas arrêter avec ça. Hein. Tant pis. Tant pis, je respecte les anciens, je salue les vieux. Ouais, ok, parce que si c'est pour manquer de respect. Cette phrase, mon Dieu. Bref. Alors, ma pâte, je n'arrive pas du tout à la ramasser. Commence bien. Bon, il faudra peut-être mettre un peu plus de farine. Ah, on a entendu. Merci pour le follow, BC Renops TM. BC Renops TM. Moi, les anchois, c'est que je réalise tout juste la recette. Alors, voici une cave à cigares pour le gros matou. Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Mais c'est pour ça qu'il est en bonne santé, hein. Donc attends, toi, les vratocards, t'aimes pas les anchois? Ah, pourtant, c'est plein d'oméga 3, c'est des bonnes graisses et tout. Bon, je dis pas tous les repas, hein, je suis d'accord. Hein. Mais là, je pense que là, on va le faire, tu sais, en sorte de tapenade. On va mettre des petits légumes à côté. Voilà, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre genre du pain et tout, mais pas sûr. On peut juste, voilà, des petits légumes et hop, on trempe dedans. Tu veux voir? Ouais, c'est clair, va sur, va sur le Discord. Ok, bon bah écoutez, notre pâte elle est prête. Ça va, ok. Donc ça nous fait ça. Je vous ai pas mis, hein, en plein. Je vous mettrai pour la préparation de l'aïoli marseillais. Voilà, donc du coup, bah écoutez, c'est fini. Notre navette est en bonne route. Et on va juste laisser reposer. Non, on va filmer en fait et on va laisser reposer une petite demi-heure. En fait, je suis déjà en train de transpirer. J'en peux plus. Tu mangeras les navettes? Ok, ça marche. J'avoue, j'aime pas. Les outs et les couleurs. C'est quoi les outs? Je connais pas. Gastro qui a gardé la chaîne en or qui brille. Ouais, c'est ça, c'est je danse le Mia. Bon, ça rappelle des souvenirs, non? Vous avez tous des souvenirs avec ça? Ray-Ban sur la tête, sur vêtements. Jean-Pierre, c'est qui ah oui, Jean-Pierre Foucault. Il y a Plus belle la vie aussi. Il y a Uber Eats. Très bien fait remarquer par Doux. Les goûts et... Ah, les goûts et les couleurs. Ok, d'accord. Excuse-moi. C'est moi qui suis à l'armesse. Ouais, les goûts et les couleurs, ouais. C'est vrai que chacun, bah, du coup, on apprécie. Bah, c'est comme au sport, hein. Du coup, faut trouver ce qu'on aime, quoi. Alors, comme d'hab, le papier film, ça fait 15. Voilà. Alors, attendez, juste, voilà. On va essayer de rattraper. C'est bon. Allez, oui, le allez l'OM. Ouais, ben, ça, je ne savais pas s'il allait y avoir des problèmes. Hein. Ça, voilà. Donc, voilà, c'est bon. C'est Marseille, quoi. Aujourd'hui, on est à Marseille. Très bien, donc nous allons passer à la préparation des petits légumes. Et il y a le petit Marseillais, oui, avec le qui fait caca. Oui, t'as vu, il est assis ouais, en position. Ouais, gastro, il y a beaucoup de rêves. Et n'oublie jamais le virage qui est un. Ces milliers de Marseillais qui vont toujours. Allez, l'OM. Ouais, c'est clair, allez, l'OM. Mais bon, on va s'arrêter avant la fin. Hein. Le petit gros mot, bah on va se l'éviter. Hein. Merci pour le follow, merci. Un pseudonyme. Ah, pas mal. Ouais. J'allais dire, c'est parce que le chat a été pris, mais c'est étonnant.
En avant Guingamp. Ah, toi, c'est Guingamp. Ah, bah oui, c'est Bretagne. Est née à Reims il y a 24 ans. Issue d'une famille d'origine algérienne, elle a été bercée depuis tout petit par le rail et les chants berbères. Son fessier magnifique rempli. Alors, attends, c'est à qui? C'est à moi. Les tribus bédouines sont prêtes à parcourir le monde des merveilles. C'est moi qui ai 24 ans. J'ai pas compris le pseudonyme. Sinon, je vais dire. Non. Mais t'es Théo. Attends. Belle ref. Ok, ah mince, c'est... ouais, d'accord, ok. Le jour de gloire est arrivé. Ça, c'était pour le 14 juillet. Ouais. Alors, hop. Je vais juste faire la vaisselle au fur et à mesure, comme ça, du coup, je prends pas de retard. En fanfiction. Oui, ça c'est la Marseillaise. Oui, oui, je suis d'accord, c'est la Marseillaise. Oui, 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 oui. Oui, voilà, ça c'est Marseille, Marseillaise, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, comme à chaque fois, en fait, je suis un peu stressée de commencer à cuisiner ce que vous me demandez. Donc, là, du coup, nous allons commencer la yoli marseillaise. C'est la Marseillaise. Oui, oui, je... ouais, ouais. Tu as du bol, les modos ne savent pas lire. C'est parce qu'il a écrit le gros pavé. L'effort il y a, même si limite, limite. Alors attends, parcourir mon zèle pour avoir le privilège d'avoir un aperçu sur cet artefact. Bon, il y a des petites significations, mais du coup, pseudonyme, si c'est moi qui suis née il y a 24 ans, je prends. Ou non, c'est pas ça. Le rouge et l'île. Oui, ah oui, le rouge et l'île. Oui, c'est celui qui a écrit la Marseillaise. Alors, attendez. Ok, donc nous partons. Donc, je sors l'assiette. Donc, pour notre aioli marseillais, nous avons plein de beaux légumes. Vous allez voir, on va avoir plein de vitamines. Parfait. Donc, gastro, nous avons de la carotte. Du coup, j'ai pas trouvé des carottes fans, donc j'ai pris carottes classiques. Nous allons avoir un petit peu de pommes de terre. Nous allons avoir du fenouil, mais qu'on va pas cuire. Hein, on va juste le préparer un petit peu. Bonjour, Alpha Boss. Jim. Ça peut peut-être de manière qu'il... Non, j'ai pas quarantaine. Bonjour, Pine de Poulpe. Salutations. T'es tout nu et tout bronzé? Ouais, il fait beau, c'est normal. Profite, profite. Mais en fait, c'est parce que moi aussi, enfin, je passe ma... Je sais pas, c'est le beau temps qui fait que je passe... Je vais pas dire ma vie à poil, mais pas loin. C'est pas norvégien. Non, bah non, ouais. Non, ouais, je suis en maillot, en fait. Très bien, donc nous allons avoir... Donc du coup, d'où, il y a la betterave en plus que j'ai ajoutée. On va avoir de la courgette et l'oignon. Donc l'oignon, en fait, on va venir le planter avec des clous de girofle. Merci pour le follow, Gabi. Merci pour le follow. Merci, merci. Hey beauty, you look fit, can you show your biceps? Oh là, pourquoi chaque fois ils veulent voir mes biceps? Moi je demanderai à voir autre chose. J'ai surtout la référence du sketch de Handart sur la Marseillaise. Ouais. Ouais, bonjour Netty Netty, ça va? Comment tu vas? Merci pour le follow. Non, j'ai pas vu. Merci Axela pour le follow. Le succès des Bibi. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le même pays, attention. Hein. Norvège et Suède. Très bien, donc on va commencer. Je vais lancer l'eau de cuisson parce qu'il va falloir faire cuire les carottes et la pomme de terre. On va les faire cuire ensemble. Voilà, alors c'est parti. Voilà, je vais sortir, il va y avoir plein de casseroles. Donc pour ne pas laisser, me laisser déborder, on fera la vaisselle sur le mur. Voilà. Show up petite pokchon. Gastro. Alors Gabiche qui se place un peu pour le premier bal. Bah oui, Gabiche, il est bien. Il speak in English en fait. Ouais, c'est pour ma plaisir. Bah oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait c'est moi qui ai dit tout à l'heure. Ok. Bon, écoutez, on est parti. On va commencer avec la pomme de terre et la carotte. Là-bas. Vous allez voir, on va avoir une trop belle assiette. Franchement, super, super idée. Trop, trop belle assiette. Voilà. Donc là, autant vous dire que les 5 fruits et légumes par jour, c'est bon, on y est. T'es jamais malade avec un gastro sur ton stream? Non, tellement pas. Non, je rigole beaucoup.
un village médiéval, je crois. Alors attends, c'est quoi Guingamp? Ah, vous êtes pas gentil. Gastro, your teeth are colder. Les gars, arrêtez. Ok. Bon, alors, on va éplucher notre voilà, carotte. Donc carotte, on n'épluche pas, hein, je garde la peau. Quoi, de toute façon, ça va partir en cuisson, donc bon, c'est pas grave. On va faire des petits bâtonnets. Ça, mon couteau. C'est bon, j'ai petit couteau, celui-ci, il va fonctionner. Et il me faut l'autre, en fait, celui que j'aime bien, c'est lui. Voilà. Pour les légumes, c'est lui que j'aime bien. Merci pour le photo. Merci, Mister Azim. Merci. Non, je rigole, elle est dans la meilleure région, la Bretagne. Ouais, c'est vrai. Oh, les gars, c'est bon. Votre niveau d'anglais, je suis émerveillée par votre niveau d'anglais. Oui, bonjour ma loulou, comment ça va? Comment ça va? Ouais, bah oui, c'est clair. Et là, je comprends. Hein. Merci, Lilia Cowboys pour le follow. Merci beaucoup. Allô, je suis du Québec. Ah, t'es du Québec? Ben ouais, il doit être... attends. Tard le matin? Ouais, sur des sites spécialisés. Ouais, je vois ça, ouais. Ouais, je vois ça, les gars. Bravo, bravo. Ok, bah, c'est parti, on va mettre ça. On va découper. Donc la carotte, je vais la garder en longueur pour qu'elle soit jolie dans l'assiette. Parce qu'après, oui. Et par contre, je vais faire plutôt en... Ouais, parce que les carottes fines, elles sont beaucoup plus fines. Donc du coup, au niveau de la cuisson, je pense que c'est un petit peu mieux. Alors, je suis en train de... Je sais pas, vous allez... tout s'explique. Alors, ouais, il est 4h49. Ah oui, c'est... Oui, c'est chaud, hein. Oui, c'est ça, ouais. Vocabulaire, sifflerie, balls, tits... Ouais, c'est ça, les tinetti, t'as vu, hein. Mais bizarrement, on les connaît tous, hein. C'est en Afrique. Ah non, du coup c'est... on est sur le continent américain, hein. Ouais, là, ici, on n'est pas encore fâchés finalement avec le Québec. Non, c'est bon, là, d'où on est bon, là. Là, avec le Québec, on est bon, parce que du coup, en fait, il y a beaucoup de plats qui sont un peu gras. Donc, pour l'instant, on ne les a pas encore fait. Merci pour le follow, merci. Two haters, 1, 2, 3. 3 haters, 1, 2, 3. Merci. Et, when I see you on my own boutique this week, when I'm standing. What you do when I do my... Ah oui. Ouais, merci. Merci, Castro. Bon, écoute, on va les garder dans la longueur. Ça passe? Oui, ça passe. On va essayer de faire comme si c'était une carotte fan. Je vais juste couper le bout ici. Voilà. Et j'espère juste que ça va mettre 3/4 d'heure. Oui, ça va très certainement mettre un petit peu de temps à cuire. Hop. Très bien. Donc, nous lançons nos carottes. On les connaît tous, certes, mais on n'est pas tous les mythes. Non, oui, bah oui, j'espère bien, les Tinetti. Hein. Ouais, j'espère bien. Hop. Hop là. Pourquoi c'est parti? Oui, bah, on attend que l'eau elle chauffe. Thank you so much, Maya. Ouais, mais les carottes, bah oui, il faut, hein, il faut. Hein. En plus, c'est plein de bêta-carotène. Donc, si vous avez bronzé et que vous voulez garder votre bronzage, allez-y. C'est quoi la meilleure région? Ah ouais, bah meilleure. Tiens, ça serait... moi pour moi je dirais que bah la Bourgogne, hein, je suis en Bourgogne, donc moi je kiffe la Bourgogne. Hein. Oh non, j'ai cassé ma carotte. Bon. Bah écoutez, bah, je vais la garder pour après parce qu'en fait vous allez voir avec l'anchoignard, on va faire un assortiment de légumes crus. C'est bien, on aura du cru et du cuit, c'est parfait. D'où une tourtière, c'est... Arrête. Alors, un pudding chômeur pour les prochains plats. Une tourtière, ouais, mais oui, mais attendez, oui, je pourrais essayer de... Merci Loïc, 550. Maintenant, je sais qu'il faut le trou dans la tourte. Donc, normalement, je peux... Bonjour Mickaël, ça va? Ton prof de jeu était toujours bourré? Non, mais sans déconner. Moi, c'était mon prof... Alors, attendez, c'était dans mon école. C'était le prof de maths. Oh, il sentait tout le temps le vin rouge, mon Dieu. For a bit de carotte. Ah oui, donc c'est bon, il y a quand même de l'anglais, hein, gastro, hein, il y a du label. Hein. Et donc, ouais, j'ai cassé la carotte. Oui, je sais. Non, mais arrêtez. Comment ça vous est arrivé? Métro.
C'est vos références à tous les deux. Vous êtes trop mignons. Oui, c'est ça. Donc, il y a Cowboy, ouais, il y a la poutine. Mais du coup, la poutine, il y a une tonne de fromage. Voilà. Et comme, en fait, je fais attention, tu sais, un peu aux calories. C'est pas que je cherche les calories. Voilà, j'essaye de manger pas trop gras. Mais c'est vrai que pour un cheat meal, on pourra le faire. On pourra le faire. Mais là, le cheat meal, j'ai hâte hein, de partir aux US pour avoir un super burger. Ça va être trop bon. Oui, ça va bien. Ouais, merci, Mickaël. Ouais, nickel. De français toujours bourré. Ouais, comme quoi on est prof. Hein. Merci pour le follow, Juventino Pras. Merci pour le follow. Je cherche un économe. Et en fait, je crois que je n'en veux pas. Disons que l'autre jour, la carotte, je l'avais épluchée au couteau. Je sais pas si vous le souvenez. Oh, comment je vais faire mes lanières? Alors, attendez. Ah si, j'en ai un. Non, mais n'importe quoi. Bon, ben, la dernière fois, j'aurais pu... la poutine qui vaccine contre le Covid, ouais, c'est, bah, tu prends plein de force, hein. Donc, Bigfoot, il a dit quoi qui vaccine... Voilà, là, mais vous êtes grave. Tu vas aux US. Maya l'abeille, où sont tes ailes? Ah, oui, bah, oui. Donc voilà, et donc l'aïoli marseillais en fait il est trop bien parce que bah, du coup en fait la recette est hyper équilibrée. On va avoir des glucides avec la pomme de terre. Hop, on va avoir plein de légumes. Hop. Nous allons avoir de la protéine grâce à notre... Bonjour Juventine Trace, ça va? Tu as déjà fait la cuisine de chez moi, la Lorraine en live? Non, la Lorraine, non j'ai pas fait, j'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la Bretagne. J'ai même pas. La Normandie aussi, je voulais faire, on n'a pas fait. Dimanche, on fait la Bourgogne. Merci pour le follow, Marianne Sexo. Merci pour le follow. Et donc, deux Marcel. Si tu vas y arriver. J'ai acheté deux exemplaires d'un truc que j'achète jamais. C'est quoi, Netty Netty? De Marcel? Bah là, il faut, hein, avec le temps. bonjour. Merci, Marianne Sexo. Merci. Bienvenue à toi et ton viewer, c'est ça? Oui. Ouais, salut. Merci, merci. C'est le host, c'est ça? Ok. Et Lorraine, bah non, il faudra. Ouais, bah, oh, y a tellement d'endroits. Alors, on va voir les amourettes en meurette pour la Bourgogne. Est-ce qu'il y a du bœuf? Est-ce qu'il y a du bœuf? Il y a les amourettes. Qu'est-ce que je fais en plat? Ah non, c'est le poulet de Gaspard ou je sais plus trop quoi. Et je vais faire des gougères aussi, et pour le dessert, on va faire un truc à base de pommes. Elle n'a jamais fait de quiche, non. Si, j'ai fait des quiches cafards, mais pas comme il faut. Ouais, grave. Merci pour le follow. Merci, Jimynx. Merci pour le follow. La Lorraine, ils n'ont pas été dessinés, il reste encore des... Ouais, bah, alors, ouais, la Lorraine, c'est vrai qu'il y a eu un sacré... Oui. Mais la Lorraine, ça fait partie de l'Alsace, on est parti du côté de l'Alsace. Donc du coup, on a fait un petit peu, non? Ils sont drôles les followers et tu es déjà venue à Montréal. Il y a Cowboys. Non, j'ai pas fait Montréal, mais j'ai été à Calgary. C'était pour mon stage en fait, bah, pour devenir maîtresse en fait. Donc je suis partie en stage dans une école française au Canada. C'était hyper sympa, franchement, j'ai kiffé. Les gens au Canada, mon Dieu, une autre planète quoi. Bah, c'est un peu comme au Japon en fait. Hein. Hop. Pourquoi je les coupe comme si c'était des frites? Bon, c'est pas grave. Bah, si, on va les faire cuire comme ça. Allez. Hop. Comme ça, on aura pas mal de trucs en arrière. Allez. Voilà. Donc, mon Noël boue, c'est bon, c'est parti. Donc, nous lançons les pommes de terre et les carottes. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. On va attendre un petit quart d'heure. Ok, Google. Non, là, ça va pas cramer. Bah, non, là, on peut pas, en fait. C'est dans de l'eau. Donc, non, c'est pas possible. Ok, Google. Peux-tu me mettre le minuteur sur 15 minutes, oui, s'il te plaît? Vous allez d'abord devoir déverrouiller votre appareil. Ah, ok. D'accord. Je m'exécute. Je crois qu'il me manque un élément pour comprendre. Comment je peux vous aider? Peux-tu me mettre le minuteur sur 15 minutes, s'il te plaît? Bien sûr, un minuteur de 15 minutes. Ok. Et bon... c'est parti. Allez, c'est parti, voilà. Bonjour, Nimitz. Pâté Lorrain. Ah, hein, le pâté Lorrain. Saleté de botte. Non, mais oui, j'ai pas fini, en fait, je savais pas. Mettez-la au Quai d'Orsay, elle te refait une guerre mondiale dans la journée. Mais grave. Mais grave. Google qui ne veut pas. Ouais, non, mais arrêtez, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'en fait c'était pas déverrouillé. Une nouvelle MST.
Oui, c'est ça, Yakovals, ouais. Ouais, c'est Doom en fait qui m'a initié à ça. Du coup, nous allons continuer en fait. Nous allons mettre. Vous êtes coupé en frites? Ouais, j'ai coupé en frites. Ouais, mais bah, en fait, normalement, ça devait être des quartiers de pommes de terre, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on parlait des frites. Bah oui, on parlait des frites. Donc, du coup, en fait, je vous parlais, donc j'ai coupé en frites. Parce que samedi, on fait des frites. Par contre, vivement la cuisine belge pour des frites et des gaufres. Ouais, alors Alpha Boss, samedi, comme on fait la street food aux US, il va y avoir le bon hamburger avec des belles frites, des belles grosses frites. Ça va être trop bon. Donc, si tu veux, il y aura déjà les frites donc cuisinées comme les Belges. Ça, c'est. Bon, oui, j'ai pris mon truc à température. Vous êtes mauvaise langue, elle ne va pas faire cramer. Ouais, merci, Michael. Par contre, ouais, c'est ça. Bientôt Skynet va se soulever. N'importe quoi. Ouais, limite, ouais, c'est clair. Oui, c'est une nouvelle maison, t'avais déménagé. Ouais, Skynet, mais Skynet, je connais. Attendez, ça me dit quelque chose. Frites pour neuf. Oui, c'est ça, exactement, Doom. C'est frites pour neuf, ouais, c'est ce qu'on avait fait pour c'était quoi les spécialités? Les vieilles spécialités? Spécialité parisienne pour 14 juillet. Comme les Belges avec la vive les frites. Ouais, c'est trop bon, mais un petit peu, hein. Un petit peu, hein. Avec Bibac, Sarah Connor. Ah, c'est ça que ça me dit, Sarah Connor, attends, Skynet. Ça me dit trop quelque chose. Ouais, Terminator, c'est Terminator. Oh purée, t'es parti loin. Bien joué. C'est tellement la honte sur les Français. Anne Baloulou, comme les Belges avec la petite cuillère. Arrête, Baloulou. Et la mousse, vous l'enlevez comment? Franchement, c'est quand même plus simple avec la cuillère, non? Et quand à ce moment, c'est tellement la honte sur les Français. Avec du vinaigre et de la mayo. Voilà. Bon, allez, on en. À la cuillère. Oui, voilà, à la cuillère. Et la mousse. Et la mousse, ouais. Et la bière. Et tu en fais pas, c'est plus simple. Arrête! Si, il faut quand même essayer. Attends. Même si je suis pas très douée. Du coup, donc nous allons prendre des clous de girofle. Donc on va planquer. Merci pour le follow. Merci, Kaïk 247. Merci pour le follow. Donc là, on est reparti pour une autre cuisson. On s'occupera après. Donc on va juste faire cuire notre oignon. Alors attendez, l'oignon, ce sera pour. C'est pourquoi? Ah bah non, il n'y a pas besoin en fait. Parce que en fait, les bulots, c'est ça que j'ai fait comme bêtise. Enfin, c'est pas qu'une bêtise, en fait, il n'y avait que des bulots cuits. Donc du coup, comment je vais faire pour retrouver le clou de girofle? Ah, bah écoutez. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que normalement, il fallait planter dans l'oignon pour faire cuire les bulots. Donc, si on veut retrouver un petit peu le goût. Ouais, bah sinon, c'est pas grave, on n'en met pas. Bon pour la laine et le mal aux dents. Ouais, c'est vrai ça. Bon, bah écoutez, bah non, en fait, je me suis plantée. Bonjour, carte, salut, ça va? Non, ah, la mousse, oui, je sais, Baloulou, mais du coup, t'as vu, le verre, il était un petit peu avec de la poussière, il était un peu sale. Donc, du coup, je pense que quand j'ai versé la mousse, du coup, ça avait. Vous savez, c'est comme quand vous servez dans un verre à champagne, s'il est sale, bah du coup, en fait, ça va faire des bulles de ouf. Le tramadol. Non, pas de médicaments, carte. Voilà, les trucs naturels. Bigfoot, c'est très bien, bravo. Ouais. Bah écoutez, on ne peut pas tout dire. Hein. Très bien. On passe au. Donc je vais pas avoir besoin de l'oignon. Voilà, c'est que je le mets là. Et nous passons aux haricots. Donc nous allons avoir des haricots verts. Du coup, je vais mettre quoi à chauffer? Oh, il y a plein de légumes, je suis en transe. Hein. C'est trop bien. Je sais pas si vous avez vu, j'ai publié le miam aux fruits ce matin. Donc là, pareil, il y a plein de fruits. En plus, c'était trop beau. Ok. Mais hyper bourratif. Hein. Je mange en 2 jours. je me suis. Plus il est sale, plus ça. Ouais, c'est ça, exactement. Des bubules. Ouais, c'est ça, mais exactement. Bonjour, Kaik 247. Merci pour le follow. Jure, des boulets sauce lapin. Non, c'est des bulots, pardon. J'ai gagné un point Doom de fa. Oui, mais complètement, Bigfoot. Hein. Bah oui, là, du coup, t'as trouvé plutôt une solution naturelle que des médicaments. Donc bravo. Le sirop de liège, trop bon, il faut que tu goûtes ça. Le sirop de liège. Alors, attends. Du coup. Ça a quel goût, Doom? Le sirop de liège. Mais c'est comme ton sirop, là. Enfin, le caramel beurre salé, laisse tomber. Ah, bien sûr, je me suis fait une petite crème de châtaigne. Hein. Le sirop de liège. Ok, je vais le noter. Oh, c'est avec des pommes. Ben oui. Ben oui. Attends, je prends la photo.
C'est bon. Donc je me suis fait le fémur avec la fémorale, c'est ce qu'ils m'ont donné. Ah oui, bah là du coup, Kurt, ouais, là c'est plus. Ouais, mais là c'est normal qu'ils t'aient donné ça. J'avoue. J'avoue. Ouais, hein, mais moi, Yaya Cowboy, je suis à fond sirop d'érable, hein. Laisse tomber, j'en mets partout. J'ai encore mes dents, donc je suis sage. Ah, moi, je ne les ai plus. Elle prend en photo le tien. Excellent, cafard. Trop drôle. Les boules... Ah, les boulets sauce lapin, c'est un classique de Liège. D'accord, ok, Netty, non, c'est sous moi. Donc, du coup, je vais noter alors. Parce que ça se trouve, sauce lapin, mais il y aura du lapin dedans. Moi, ouais, je n'aime pas trop. Ouais, parce que Yaya, en fait, le sucre blanc, tu sais, j'évite de l'utiliser à la place du sucre blanc. Bah, vous avez de la chance, au Canada, vous avez le sirop d'érable. Et du coup, il y a des nutriments qui sont intéressants dedans. Bon, là, il y aura un petit peu de sucre blanc, désolé. Si je toque à ta porte avec une assiette blanche, tu me donnes un peu, tu me fermes la porte avec. Non, je te donne. Contre l'odeur de mauvais. Alpha Boss, ouais, t'inquiète. Là, je suis habituée. Et en fait, comme j'ai découvert quelque chose. Bon, je vous expliquerai, j'ai un peu grugé en fait. Ouais, mais je pense que vous avez compris comment j'ai grugé. Hein. Bon, je dirais pas. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ok. Ouais, donc oui, du coup, je remplace en fait. Et il est là, enfin, il est là. Il est là, il est tout le temps avec moi, tout le temps, tout le temps. C'est trop bon en plus. Et la bière, hein. Ouais. Et la bière. Arrêtez, pourquoi? Ah, t'as fait un clip? Alors attends. Elle nous aura tout fait, mais la bière, elle a cuit. Arrêtez, tu l'as remis, c'est pas possible, c'est grave. Bonjour Chayatine78. Mince, du coup, si t'as follow, j'ai pas entendu. Bonjour, ça va? Ça sent le clip de la couac. Non. Ouais, donc du coup, vous voulez que je fasse un clip avec? Très bien. Donc les haricots, en fait, il y a l'eau qui est en train de chauffer. Donc du coup, il y a par contre des petits champignons de haricots verts. Donc c'était précisé frais dans le sac. Donc du coup, on a pris frais. Et comme ça, on va juste les jeter 2-3 minutes. On garde tous les nutriments. Et ça sera parfait. J'en mets partout. Ouais, donc là, on va les égletter, hein. Super. Tu vas à 50 devant ta porte avec une assiette blanche. Ouais, du coup, tu verras qu'au niveau des quantités, ça peut parfois ne pas le faire. Mais t'inquiète pas, la sauce lapin. Ah, il n'y a pas de lapin. Ok. Donc, du coup, j'irai regarder. Ouais, parce que les pimpins, je ne mange pas en fait. Et donc, du coup, à la cuillère, Nadine de Rothschild a... Putain, vous n'en êtes pas remis, c'est fou. Hein. Moi, ça me. C'est bizarre parce que moi, ça me choque pas. Non? C'est choquant. Ok. Une Asiate, c'est pas la même chose. En tout cas, pas sur les sites que je fréquente. Une Asiate et une assiette. Ah oui, bah moi c'était assiette que j'ai compris. À 23 p.m. Arrête, non mais Yaya Cowboy, attends, non mais c'est fou. Ouais, les lapins j'aime bien. Bah oui, c'est minou, c'est choupiné, c'est choupiné. Bah après j'avoue, hein, les vaches aussi c'est choupiné, mais je pense que au bout d'un moment, je crois que ouais, la viande. Là pour l'instant, j'arrive pas à arrêter la viande, du coup. Mais je pense que, ouais, à terme. Ouais, les lapins. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'ici, il y a des lapins sauvages. Du coup, en fait, quand je me balade, je les vois passer là avec leurs petits pompons. Quand j'étais petite, je mangeais du lapin. Ma maman me faisait du lapin. Mais là, ouais, là, j'en mange plus. J'en mange plus. Pourquoi. Voilà. Attention à la différence. Ok. Je suis convaincue que tu vas faire. Donc, Yaya Cowboy se nous rejoint et il me connaît déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Faudrait voir une recette avec le chat et une recette sans le chat. Attends. J'ai pas compris, Netty Netty. Ah, avec le chat. Tu lui tires son petit pyjama. Avec beaucoup d'ail, ça va attirer du monde. Ouais, là, laisse tomber. Laisse tomber. Bah, la sauce aioli, c'est juste trop bon. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut pas avoir rancœur, quoi. Mais voilà. Après, ça, on va se brosser les dents et puis c'est bon. Hop, donc là on y est. Donc nous allons sommes en train de décoter nos haricots verts. Et ce qui est bien, j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de filaments. Donc c'est parfait. Ouais, il y en a très peu. Ouais, c'est parfait. Ok. Et après, une fois sa recette. Elle... Arrête, Bigfoot! Donc ça y est, t'as répondu à l'IA. L'IA Cowboy. Ouais, mais vous avez vu, il me connaît. Hein. Hop. Et du coup, après, ouais. Et je retire son pyjama à qui?
Non mais attendez, oui, bah écoutez, les lapines aussi mignon, hein. Bonjour Peineur Pratt, comment ça va? C'est un iodi, ouais, c'est pas pareil, exactement, c'est une sorte de crème en fait. Donc j'ai dit sauce, Doom? Faut pas que je dise sauce alors. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement, bah là je suis un peu stressée, il faut que le plat il soit bien. Ouais, bah j'étais stressée pour les vôtres aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Dimanche, j'étais stressée pour la bière. Bon, ça va, Peineur Pratt, du coup, avec ton nouvel ordi? C'est bien? Maître Doom et la bière. Teste les tortellini au thon citron à la crème d'ail. Ok, ça c'est bon. Et c'est toi, du coup, qui les fais? Ouais, tu les fais toi? Attends, je vais noter. Tortellini, c'est au citron et à la crème. Ouais, la crème d'ail, c'est juste trop bon. Bah oui. Et les tortellini. Tortellini, non? Tortiglioni, t'as marqué. Merci pour le follow, Furious. Merci, merci, Furious. J'ai fait nuit blanche et ça pique. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair, quand tu reçois. Ouais, c'est comme si t'avais un nouveau petit bébé, quoi. On dit que. Ouais. Ah non, mais non, mais non, Netty, oui, je sais. On lui... Bah oui, c'est ça. Donc le pyjama, ok. Non! Le pauvre petit lapin, pauvre petit lapinou. Ouais, le pauvre petit lapinou. Donc, ouais, Yako, bah, t'as très bien trouvé, c'est. Yako? Mais c'est pas des originaires du Canada être lapin dans la région. Ok. Et donc, si tu veux poster tes créations, tes recettes. Ouais, grave, y a, tu sais, y a sur le Discord, t'as un truc idée recette. Mais du coup, c'est moi qui ai toujours pas posté les recettes. En fait, si vous voulez, elles sont dans un document Word et j'ai un petit peu honte. Donc, du coup, il y a celles qui sont bien travaillées sur Instagram. Et celles, je voudrais vous les poster sur Discord. Mais en fait, le fichier, bon, bah, il fait plusieurs pages. Et voilà, et pour l'instant, j'ai un petit peu honte de le poster. Donc, il faut voir. Et moi, je vais travailler encore un petit peu. Voilà. La chance qu'elle attire de la pitié comme ça et pas les vaches. Ouais, les vaches, bah oui, ouais, je sais. Peut-être parce que c'est plus grand. Ouais, je sais pas. Mais les pimpins, c'est tout petit. Non, c'est en fait, oui, tu peux les domestiquer quand les vaches aussi. Ouais. Non, mais à terme, hein, je veux dire, hein, je pense que je vais sérieusement me poser la question. Mais bon, j'aime trop la viande rouge. Bon, en même temps, je mange que du beefsteak ou du steak haché. Donc. Assume cafard, t'es comme nous. Alors collectionne les calories. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui. Ouais, gastro, c'est ça, c'est exactement ça. M'insulte pas. T'es pire qu'une merde, mais non. Une vache avec de longues oreilles et une petite queue touffue. Oui, baby. Une vache avec... Non, elles ont pas de longues oreilles. Je crois pas. Non, c'est pas ça, c'est que vous savez, j'ai aussi appris que bah, du côté, en fait, bah, si on n'est pas à la campagne. Merci pour le follow, Mister Nice. Et si on va dans les grands supermarchés, en fait, voilà, donc même si vous prenez la viande chez le boucher. Des supermarchés. C'est des vaches laitières. C'est pas de la vraie. Alors que là, ici, en tout cas, c'est des vaches charolaises. Une petite queue touffue. Ouais, voilà, c'est ça. Bonjour, Mister. Tu utilises jamais de produits congelés? Alors, si, quelques... je vais te répondre. Ça, c'est une. Bonjour, Mister Nat. Merci pour le follow. Salut. Oui, mais c'est parce que c'est trop mignon. Allez, on arrête. On arrête sur le petit papa. Une vache qui aurait été des éléments du lapin pour faire pitié, lui aussi. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Cœur de bœuf. Alors, ça, c'est les tomates. Ah non, le cœur du bœuf, carrément. J'ai vu direction Marseille, alors je suis venue. Ah, excellent, bonjour. Ah, bah, écoute, très bien, Mister Nat. Du coup, on va faire un grand aïoli. Donc, là, on a lancé la préparation. On a préparé la pâte pour les navettes. Pour la navette. Enfin, on va en faire deux, je pense. Et bah non, je n'irai même pas sur le sable. Bigfoot, hein, il a dit quoi? D'où tu as mis ta photo sur Discord? Moi, je dis pas bonjour. Oui, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Dommage. Ok, donc tu m'attendras au bar si je comprends bien. PSG, PSG. Ok, bon, bah l'eau, elle est chaude. Donc là, du coup, je vais juste jeter rapido mes haricots. Comme ça, ils vont rester un petit peu croquants. Haricots verts. Donc, du coup, pour les produits surgelés, j'en achète, mais surtout en hiver. Ouais, bonjour coin coin, ça va? Ah, il y a du monde, ok. Gastro, tu as le droit de te ok, donc ça y est, les mains. Ça va coin coin? Donc les normes sanitaires pour la viande et les plus sévères au monde.
Ah oui, alors qu'ici en France, franchement, ouais, j'ai eu plein de reportages et les animaux là, mon Dieu, ça me. Je peux plus quoi. Pas ouf, et toi? Mince! Il t'arrive quoi, coin coin? Je me suis pas du tout trouvée dans une cuisine ou devant un ordi. Et ouais, du coup, coin coin, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les blagues, les gars, non, mais franchement, il vous dit qu'il va pas bien et vous avez juste des blagues. Alors, je regarde juste si c'est cuit. Hop, oui, on est bien. Parfait. Bah, écoutez, c'est cuit. Donc, nous avons nos carottes et nos pommes de terre qui sont cuites. Les haricots verts, on va attendre 2-3 minutes. Et du coup, attendez, je sais pas c'est quelle caisse qu'il faut. Oui, c'est sûr. Attends. Et en fait, on les mettra vite fait sous l'eau froide. Donc, la sauce avec goût pour les haricots verts. Mais grave, gros match, pas trop personne. Il s'est détaché la cuvette des. Non, mais vous êtes grave. C'est un sport de fillette. Non, mais je m'en tape du foot. Du foot. Ah, tu regardes quoi, toi, Gastro? Moi, j'aime bien le rugby. J'ai déjà regardé du rugby et du coup, en fait, ça m'a pas dérangé. Le foot, j'ai un petit peu plus de mal. Ouais, et j'ai déjà fait. En fait, c'était au JO de 2012. Non, il n'y avait pas de rugby. Où est-ce que j'ai vu du rugby? Du rugby? Les JO, ils font les rugby à 7, donc c'était pas aux JO. Ah non, j'ai été en Angleterre, oui! Et j'ai vu le match, vous savez, on s'est tapé la honte, c'était pendant la Coupe du Monde de rugby. Et j'ai vu le match, c'était France, All Black. Ah, mon Dieu, la honte. Voilà. C'était en 2000, c'était quand? En 2015. C'était un petit moment, hein. Perso, c'est plus aquaponé. Ouais, c'est plus aquaponé. Je préfère avoir un frigo coop, je l'ai rempli de produits congelés, mais bon, là je décris. Oui, alors qu'avec, du coup, les produits congelés, c'est très bien. Non, non, sache que c'est très bien, c'est encore mieux que plutôt ne pas manger de fruits. Oh, on en parle de la faute à Marseille. Non, il y a une faute. J'ai mis. Il y a une faute. Attendez, bah, attendez. Non, non. Marseille, il n'y a pas de S, c'est ça? Mince. J'ai mis quoi? J'ai mis un S, je crois. Pour la prof, bravo, quoi. Plus belle la vie, j'avais pas vu. Ben oui, attends, plein de références à Marseille. Hein. Ah voilà, les shorties direct. Oui, c'est ça. Un sport de bonhomme. Oui, ouais. Donc du coup, vous regardez pas le foot, hein, c'est marrant ça. Il y a du mec au rugby. Ouais, c'est clair, bah oui, ils sont quand même. Alors qu'au foot, en fait, je trouve un petit peu plus gnangnang, je sais pas comment vous dire. Un plus. Ouais. Oh là là, mais grave, cafard, mais vivement la reprise, tu m'étonnes. Oh là là, j'ai mis un S à Marseille. Pff, oh là là. Avec des amis, on doit reporter un projet commencé car on n'a pas de graphiste et de mappeur, du coup, ça nous gonfle. Ah mince. Ouais, et en plus, graphiste. Bah, du coup, je sais pas sur le chat s'il y en a qui connaissent, qui sont graphistes. Oui, bah Loulou, basketball. Et basketball, oui. Et pareil, ça, j'ai vu un match de basketball. Donc là, c'est au JO de 2012. Bon, c'est vrai que je regarde, je fais un petit peu les événements. En fait, je visite en même temps et je fais les événements. C'est juste trop bien. L'ambiance de la ville et tout. Et oui, basketball, ça aussi, je regarde. Mais bon, pas quand je suis à la maison, en fait. quand je suis au stade avec une bière. Putain, je suis un garçon manqué, en fait. Hein. Ouais, donc, ouais, bon. Bah, oui, tu parles ouais, le 15 août. Bah oui, là c'est dans quelques jours. Hein. Ah, ça arrive. Hein. Moi costaud. Ah, intéressant, Letty. Gaston. Elle fait de faute. Oui, c'est vrai, Gastro, là, du coup. Je préfère jouer au foot que regarder. Ah oui, ouais. Non, en fait, j'ai déjà regardé des matchs plus jeunes et tout. Bah, si, je regarde, vous savez, quand il y a la Coupe du Monde de foot ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, je trouve que c'est moins sympa. C'est moins. Ça peut être très ennuyant, en fait. Contre les matchs de rugby aussi, mais bon. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est la Coupe du Monde ou l'Euro. Ouais, c'est le seul moment où j'ai regardé pareil. Bon, un jour, si tu fais visite à Montréal, et stop au restaurant mythique chez Joe le Bif, c'est de la viande tuée éthique. Oh! Ethniquement, en respect de l'animal. Écoute, je prends en photo. Vous savez que j'ai un dossier photo du chat, hein, avec toutes les infos et tout. Bah ouais, au stade, c'est juste trop bien. Ouais, je suis d'accord, c'est juste trop bien. Voilà, du coup, avec le Covid, ça va être un peu plus compliqué, hein. Mais ouais, c'est trop bien. Les chiens ne font pas de passe. Natation synchronisée, ça, c'est un vrai sport. Oui, et c'est très joli à regarder. Ça, du coup, je regarde à la télé. Bon, bah écoutez, les haricots sont cuits. C'est bon, je suis restée à côté pour pas que. Voilà. On va dire que c'est bon.
Je vais juste regarder s'ils sont un petit peu croquants. Hop. Et je parle, il va peut-être falloir s'activer un moment, non? Bon, j'aime bien quand c'est croquant, du coup. Hein. Oui, comme ça ira en fait. Bon, allez, je vais quand même laisser encore 2 minutes. Voilà. Ouais, après on va laisser croquant. À la lentille, jouez tous. Ok, donc assis, bien, bien éduqué, ça passe. Attends, par rapport à. Les chiens ne font pas de mal. D'accord, ok. Le catch. Ah, le catch, ouais, c'est marrant ça. Ouais. Et le curling. Ah, le curling, Netty Netty. Du coup, est-ce que j'en avais vu? Ça, c'est quand j'étais au Canada. C'était la famille dans laquelle j'étais. Vous voyez, regardez. Regarde la caméra quand tu parles, mais bon, si tu fais ça à chaque fois, tu auras mal au cou. Ouais, je sais, Kak. Ouais, mais complètement. Ouais, je sais, je sais. Mais là, du coup, alors, donc, on va continuer. Là, ça va. Donc là, en fait, il ne nous reste que les ingrédients qui sont frais. Du coup, vous allez voir en plus, parce que la morue pour cuire, c'est juste 8 minutes. Les bulots sont bien cuits. Voilà, donc, nos stress. Donc là, en fait, on va faire des lanières. Du coup, je vais laver. Je vais pas laver. Attends, je vais faire du tagliatelle. En fait, tout ça, ça sera bah, trempé avec la aïoli. Et il a le temps, les berbes, les canaries. Alors, les canaries. Voilà. Ici, c'est le hockey, baseball, football américain, basketball. Oui, au Canada, ouais, c'est vrai, ouais. Ok. Mais du coup, ça donne pas ce que je veux. Oh bah c'est animé. Ok. Donc du coup, attendez. Gaston, les vermines. Ah, attendez, maman, du coup, là, je suis paumée. Là. Putain, il y a un de ces orages. Ah, vous avez de l'orage. Ah, bah, il fait trop beau. T'as de l'orage. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Le smoke meat. Ah, c'est quoi? C'est un restaurant ou pas? Ça doom. Le smoke meat. Je vais noter. Bon, je sais pas si j'irai au Canada un jour, hein, mais je note. Hein. Mais oui, attendez. Parce qu'en fait, il y a du bruit dehors. Hein, ça. Il y a mes haricots verts. Que d'export d'extérieur. Bah oui, au Canada, il fait beau. C'est peut-être pour ça. Le futur, c'est le e-sport. Le e-sport, donc c'est le sport à la maison? À l'origine, arrêtez. Pat Le Guen, la cam. Ah, vous voulez regarder? Bah ok, bon bah du coup, attendez. Donc, Pat Le Guen, la caméra. Hop là. Vous voulez éplucher avec moi? Du coup, je suis en train d'éplucher en tagliatelle. C'est ça? C'est ça, cafard, c'est bon, on est bon? Ah, et je vous prévois, je pense que ce stream ne va absolument pas vous intéresser, mais je vous prévois de faire... Ouais, c'est ça, cafard. Ouais, nickel, ok. Dunes, c'est un restaurant. Dunes, ok. Du coup, il va falloir que je le prenne en photo. Oui, donc je vais vous prévoir un stream. Donc, si vous voulez, on le fera ensemble. Mais il faudra avoir des bocaux. On va faire des aliments fermentés. Donc, du coup, on fera, vous savez, les légumes d'été, courgettes, concombres et tout ce qu'on a pu en hiver. On se les mettra dans des bocaux, comme ça, cet hiver, on en aura. Si ça vous va. Oui, là, je fais des tranchouilles. Ah, merci. Ah oui, Bigfoot, t'as retenu, c'est vrai, il dit des tranchouilles. Mais grave. Bon, ça va faire comme la dernière fois. Bah, écoutez, avec ce qui va rester, je vais faire des petits cubes. Voilà. Bon, bien, et j'ai gardé la peau, hein, vous savez pourquoi. Voilà, très bien. Donc, ça vous intéresse. Ouais, cool. Bon, bah, très bien. Smoke meat, une préparation de viande marinée fumée. Ok, d'accord, mais je vais regarder ça. Et donc la photo sur son permis. Ah bah oui, là vous avez gastro. Il est plus jeune. Hein. Un pickles. Oui, on va faire des pickles. Ouais, exactement. Et on va faire des radis aussi. Enfin, vous savez, tout ce qu'on a en été en fait. Bon, le fenouil, je suis un peu moins fan, mais du coup, c'est dans la recette. Non, alors, mais comment tu as réussi à récupérer la photo du permis de gastro? Bah, parce que j'ai mes connexions avec lui. Il est sympa. Ah ouais, c'est pas cool, coin, coin. Ah non, mon Dieu. Bah oui, oui, tu m'étonnes. Du coup, le fenouil, en fait, on va le faire en tranchouille. Voilà, on va rester sur la tranchouille. Mais comment tu as réussi? Oui, voilà, c'est ça. merci pour le follow, Jackie. Salut, Jackie. Ça me fait penser à un pompier qui m'avait aidé et tout. Il s'appelait Jackie. Il était trop gentil. Hop. Ah non, ça, je...
Juste, je récupère les haricots. Je les passe sous l'eau. Ouais, les glaçons, ils sont de l'autre côté, donc on va pas. Hop là. C'est bien, bah écoutez, ça c'est déjà prêt. On va récupérer nos casseroles parce qu'on n'aura plus qu'à faire cuire. Après, perso. Bonjour, Jackie. Ouais, salut. Ouais, du coup, en fait, il y a un pompier qui m'avait soigné. Il s'appelait Jackie et tout, il était trop mignon. Enfin, trop gentil. Et Marseille ne prend pas de. Oui, je sais, Jackie, arrête, ils l'ont tous dit sur le chat, hein, ça craint. Hein. Et attends, je suis maîtresse, donc ça me craint doublement, quoi. T'imagines les pauvres enfants? Bon, normalement, je m'assure quand même de faire une faute d'orthographe. Hein. Non, quand j'ai été inspectée. Ou alors, quand il y a une faute d'orthographe, je leur dis bien joué. C'est très bien. Vous avez trouvé la faute. Ou alors, quand ils l'ont trouvé, j'ai dit ah, mais c'était fait exprès. Mathieu, me manque, je pose ça là. Netty, c'est où les photos? Les photos, lesquelles? Quancan, c'était un docteur qui voulait réanimer un homme à base de pièces détachées. Mais écoute, Quancan, j'espère que tu ne seras pas bipé parce que ouais, ça fait un peu. C'est un peu relou. Gastro, c'est celui qui est en bas. C'est le chanteur d'IAM. Ouais, donc là, il est jeune. Et donc, Gastro, en fait, généralement, il est sur mes overlays, en fait. Donc, il est une fois en sumo, il est en shorty hyper musclé. C'est Gastro. Bonjour, Shuxpen. Hey, comment ça va? Il n'y avait pas Michel avec. Non, désolé. Ou alors, tu fais exprès. Non, mais pourquoi? Ah, vous voulez que je change de titre? Bah oui, je vais le changer. Bah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Attendez. On va modifier. Hop. Comme ça, du coup. Marseille, mon Dieu, quoi. Ok, c'est bon, j'ai changé. Voilà. Ouais, ça va nickel, Chukfoun. Ouais, nickel. Mais. Ok, donc du coup, voilà, on va juste nettoyer notre fenouil et puis on va mettre en tranche. Il sera sur notre plateau. Sur notre plateau pour le grand aïoli. Hop. Aya, et tu danses le Mia. Ouais, tu danses le Mia. Oh là là, mon Dieu, cette chanson. On va juste enlever les parties qui sont pas très jolies. J'ai dû. Ah bah oui, non, Ricard, c'est pas Marseille, hein. Ouais, non, c'est pas Marseille. C'est vrai, le resto à Céline Dion maintenant. De quoi? Attendez, je remonte. Parce que du coup, vous m'avez perdu. Alors, Mathieu Rip, petit ange parti trop tôt. Ouais, mais il va repasser, je pense. Il a mis une semaine avant de repasser. Boulevard Saint-Laurent à Montréal. Oh, vous avez voyagé, du coup, hein. Ouais. Et donc, Marseille. Oui, c'est bon, j'ai fait le Marseille. Ok, on est bon. Du coup, je récupère. Ok. Si c'est bon, comme manque de respect. Attends, oui, qui... Attends, Kai, que je regarde, c'était quoi ta question? Et merci de me le rappeler parce que du coup, ça saute. Il y a des personnes qui font mariner la viande dans la sauce toute la nuit ou il y a que les restaurants qui font ça. Non, tu peux le faire. Tu peux le faire mariner, il n'y a pas de souci. Bonjour, Sirius. Bonjour, Sirius, comment ça va? Non, et oui, c'est vrai que bah, au Japon, tu vois, typiquement, les ramen, c'est vrai que ça marine pendant tout. Ouais, c'est plutôt la sauce, ouais, avec le porc et tout, les graisses. Je coupe toujours en tranchons, hein, en lamia. Non, tu peux. Hein. Et est-ce qu'on avait fait. Oui, j'avais fait mariner de la viande de poulet quand on avait fait le kebab. Parce que normalement, le kebab, quand tu vas chez le kebab, la viande est marinée. Donc oui, tu peux le faire en fait. Ah, pourquoi Bigfoot? Ok, arrêtez avec cette phrase. Non, Bigfoot, pourquoi je te snob? Oui, non, j'ai vu. Mais vous n'êtes pas gentil, en fait. Ouais, il y a beaucoup... voilà. Il y a des personnes qui font... Oui, exactement. Merci, Cafard. Merci, Bigfoot. Et il y a... ouais, ok, c'est le resto. Ok, je suis bien. Là, je suis bien. Je rentre à la maison. Ouais, ça va, merci, Cyrus. Salut, le nuage. Le kebab. Oui, alors, pardon, il y a mes cheveux. Le kebab. Oui, avec le kebab, bah, du coup, en fait, quand vous y allez, la viande, elle est marinée plusieurs heures. Hop. Voilà. Bah tout est mieux en fait. Très bien, on continue. En mer, maison. Allez, on n'est pas. Ouais. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est que là je suis. Hop là. Non, regardez, je me dépêche. Hop là. C'est plus facile pour moi quand j'ai rien à faire. Je dis ce qui est tranquille avec vous. Ok, donc là, hop.
Très bien. Donc, on va commencer à disposer dans le grand plateau. Alors, attendez, je vous reprends avec moi. Je vais chercher une grande assiette. Du coup, on va tout mettre dans une grande assiette. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle va être assez grande, en fait. Est-ce que j'ai pas un plateau? On va peut-être voir pour un plateau. Non, c'est pas gentil d'être méchant. Mais non, je sais que vous êtes pas méchant. C'est moi qui suis un peu stressée. Il est méchant, hein? Il fait que nous embêter. Oui, il faut lancer la cuisson des œufs. Merci, merci, merci. Oui, oui. Hop, on y va. Les enfants, un. Bon, je vais en lancer plusieurs parce que j'en prends petit déj du coup. Bon, les prenez pas dur, hein, c'est mieux quand ils sont mis. Question de digestion, c'est mieux. Voilà, bref. Hop. En chercher deux autres. Donc on les prend bio, hein, nos petits œufs, hein, pour nos petites poules, et qu'elles puissent aller dehors. Voilà. Et c'est bon. Bah écoutez, on lance les œufs. Ok Google. Mais c'est pas à froid en fait. Si, bon, c'est pas grave, je vais faire à froid. Allez hop. Peux-tu me mettre le minuteur sur 20 minutes s'il te plaît? On est bon. Ok, donc on va prendre un plateau. Ouais, je sais pas pourquoi je suis stressée, parce qu'en fait, du coup, ça va encore... Voici les principaux résultats de recherche. Hein? Coronavirus, enfin un plateau en France. Bon, bah génial. Ok, Google, peux-tu me mettre le minuteur sur 20 minutes, s'il te plaît? Bien sûr, un minuteur de 20 minutes. Et c'est parti. C'est gagné. Ok, bah écoutez, je vous propose, on va prendre plutôt un plateau pour que ce soit plus joli. Bon, il y a un peu en plastique que je vais garder. Parce qu'en fait, il va nous falloir de la place. Il y a beaucoup de choses, donc il nous faut vraiment de la place. Voilà. Et donc, tu vas te prendre tes photos sur après le stream de 100 ans. Ah, mais oui, ouais, enfin, je pense à ça, ouais. À ce que je vais mettre pour les œufs de 100 ans. Et il faut que je trouve le vin que je vous ai dit pour qu'apparemment la dégustation se passe au mieux. Par contre, faites attention parce que je suis du genre à vomir, enfin quand ça me rebute, hein. Je suis du genre à vomir direct. Hein. Ouais, bah Loulou, bah oui, on rigole bien, ouais, c'est clair. Hein. Elle va te détester. Non, je vais pas te détester. Le jour, c'est en direct, les amis, 5h38. Et t'es encore réveillée, hein. Donc oui, merci Gastro. Donc du coup, j'ai pas fait d'omelette, mais j'ai fait un œuf dur. Je vais faire un œuf dur. Bon après c'est peut-être temps que je passe à vitesse supérieure. La bière de dimanche. N'importe quoi. Oui c'est pour commencer. Non c'est pas pour les pop-corns. Et j'ai trouvé un nouveau moyen pour les pop-corns, ça va hyper vite. C'est en 3 minutes c'est fait. J'ai testé et ça a marché. Mais par contre faut vraiment que je surveille, hein. Sinon ça va cramer direct. Et c'est parti pour le show. Vive Google. Ouais t'as raison, vive Google c'est clair. Ton minuteur il a mis la minuterie. Excellent, trop fort. Comme un ancienne coureuse d'athlétisme, je suis fan. Nadia. Ah, je connais pas. Gastro le père fouettin, ouais. Et toi, ça t'arrive, tu laisses la viande du lapin toute la nuit mariner dans la sauce pour qu'elle devienne tendre et juteuse? Je l'ai fait. Bah, pour certaines recettes, je l'ai fait, oui. Mais pas du lapin. Le lapin, je mange pas. Alors, on va prendre nos courgettes. On va pas mettre tout parce que sinon, ça va pas faire très joli sur le plateau. Hop, on va les mettre comme ça. Et j'aime beaucoup Sœur Thomas, ça me dit quelque chose en plus. Il me fait penser à un tueur en série, trop gentil. Pas de lapin, mais du hérisson. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait, moi j'avais un petit hérisson. Il voulait que je le fasse, que je le cuisine. Mais non, il est retourné à sa vie. Et par contre, il est pas repassé me voir, hein. Il est pas gentil. Hein. Sœur Thomas, ça me dit trop quelque chose. Voilà, donc on va essayer de faire un petit plateau sympa, hein, à la déco. Et le skir demande des sponsors. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas sèche d'habitude. La viande de lapin, je crois que si c'est bien cuisiné, normalement elle est pas sèche la viande. Ouais, normalement si c'est bien cuisiné, il me semble que c'est bon. Maya, tu avais fait un host une fois, je crois. Un host. Ah oui, c'était sur. Oui, exactement, merci. Ouais, merci. Vous avez vu ma mémoire de fou? J'ai une mémoire de dingue. C'est flippant par moment.
si tu tapes son frère, c'est un peu comme si tu t'étais fait un mode. Ok, bon bah du coup on va garder un petit peu de courgettes parce qu'on va faire un plateau pour l'apéritif. Donc là ça va être le repas. Hop, donc on va mettre donc on met le fenouil et on va s'attaquer à notre aioli aussi. Hein. Nos carottes sont là, on va les récupérer dans l'eau chaude. Hop. Donc je te crois, je vais aller me sub chez lui, il faut que je rencontre cette femme depuis je suis... Ils sont prêts. Alors, nous avons nos carottes. Vous allez voir les couleurs, ça va être trop beau. Hop, les carottes. Donc, on a les pommes de terre. Donc, nous avons nos glucides. Ce plat est génial. En tout cas, pour ceux qui aiment la viande. Le poisson, pardon. Voilà. Et je vous propose de lancer... Donc, on a les œufs qui sont lancés. Et on va lancer la cuisson de la morue. Donc, on va la cuire à l'étouffée. Hop. Voilà, ensuite on parsemera de nos boulots. Donc attendez, parce qu'il nous faut, encore mettre la betterave, on va mettre nos haricots verts. Et hop, je vais vous montrer le plateau. Regardez comme il est beau, il est trop beau. Hop. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, je trouve trop beau. Hey, tu as une merguez? Non, pas de merguez, le thème c'est Marseille. Oui, merci de me parler du bon René. Moi je me suis tapée René, donc on peut dire que je me suis... Ah, je sais pas qui c'est René. Ok, du coup... Donc le plateau est beau, hein? Ah non, ces cartes sont en train de casser. Voilà, fenouil, haricots, on va se mettre un petit peu de rouge là. Et ça mange aussi bien chaud que froid en plus. Oui, ouais. Bah là en fait, du coup, il va y avoir un mixte. Et ouais, froid ça me tente bien en fait. Comme là, il fait pas mal. Du coup, donc on va éplucher notre betterave. Ouais, c'est juste trop beau en fait. Alors, attendez. Hop, on va faire des petits dés. J'ai les mains qui sont... lui, du coup, bah non, on va pas faire petits dés parce que le but, ça va être de prendre et en fait de tremper. De quoi d'où me René? Alors, attends. Ils sont... Ouais, parce que je me suis tapé un René bien moi. Mais c'est quoi cette blague? Pour René, c'était plutôt froid. Non, mais alors, je vous laisse parce que franchement, je... C'est qui René? Ok. Ah mais j'ai pas enlevé la peau, faut peut-être enlever la peau. Voilà. Bon, il y a Bibis qui passe plus et tout, mais j'aurais bien voulu... Parce que juste ce plateau-là, franchement, bah c'est pas... Voilà, il y a plein de légumes et tout, et ça revient pas cher du tout. C'est Bibis qui arrêtait pas de me demander combien ça coûte. Donc les haricots verts, en fait, bah, je les ai pris comme ça, bah, au point en fait. Hein. C'était 25 centimes, vous avez le fenouil, c'était même pas 50 centimes. Voilà, donc du coup, on peut se faire des beaux plateaux pour pas cher. Et on peut manger des fruits et légumes, et c'est pas cher. Et oui, surtout si on prend des légumes de saison. Ouais, c'était Bibiche. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, il est pas repassé, hein, du coup. Il m'avait demandé, vous savez, quand on avait fait l'apéritif, combien ça coûtait tout ça. Et donc, oui, mais bien froid, ça reste bien dur. Bon, je sens. Ouais, bah oui. Ah, c'est le mari de Céline. D'accord, ok. Ah oui, c'était René. Oui, c'est ça. Je me souviens. Hop. Très bien, donc petit bâtonnet. Voilà, donc je sais pas ce que vous pensez pour l'instant du plateau. Attendez, non, parce que... C'est trop... Et c'est le mari de la rouge, maintenant, ça va aller. Voilà, donc du coup après on va mettre notre morue, ici, ensuite on va arroser, non il va y avoir la sauce, la morue on va essayer de la déplacer, il va y avoir la sauce ici, on pourra tremper et tout, et c'est top hein, non c'est pas trop beau, c'est juste trop beau, j'adore. Ok, non joke, ah, attends, il a fait café, moi, c'est 8 ans plus que tout. Ok, bon bah écoutez, là c'est beau, non je joke, je sais plus, ok, les gars je vous laisse mal contrôler ses hormones je dirais. Oui c'est de la morue, mais du coup je vous ai dit, j'ai triché un peu. J'ai triché un peu. Alors, hop, je vous reprends avec moi. Et on va arranger un petit peu. Et je vais sortir les navettes. Et on va faire le petit point vaisselle. Ouais, j'ai un peu triché. Vous voyez comment j'ai triché ou pas? C'est quoi encore de la morue? Arrête. La morue, non mais au secours. Ouais, mais grave. Hop.
Donc je prends mes petits sacs de gratis, tu vas juste planter devant la porte avec une assiette. Bah oui, c'est clair, t'as raison, cac. Mais complètement, mais grave. La puberté. Alors, il parlait mal à Mayenne et au Modo, un peu trop irrespectueux, je l'ai défendu un temps, puis j'ai abandonné. Oui, tu parles de Mathieu, c'est ça? Attends, c'était qui, Cafard? C'était pour... hop là. Ouais, du coup, c'est bon, c'était... Ah, pour Bibiche, oui, ouais. Ouais, Bibiche. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'il avait l'air gentil, hein, du coup. Hop. Bibiche. Voilà. Alors, je récupère les restes, hein, parce que, bah, du coup, il va falloir manger ça. Bah, écoutez, je mets ça au frais. Ça, je vais le récupérer pour faire des petits dés. Je mets ça au frais, parce qu'on va pas l'utiliser pour la plantation, donc... Ouais, bah... Ah, Bibiche, il a été ban? Donc Bibiche, il a été ban, c'est pour ça qu'il n'est pas là? Quand t'as mis un S, ouais, à Marseille, oui, voilà, c'est ça, ouais. Je voulais m'attirer les foudres de Marseille. C'est le problème avec les gentils, ils sont gentils, mais ouais, mais voilà, donc ouais, du coup, c'est con, ouais, bon, c'est dommage. Je le voyais sur plein de streams, il était drôle, mais c'est pour ça que je le défendais au début. Ah, et donc ici, il n'a pas réussi à trouver sa place, du coup, parce qu'il était... Bon, le stream le saoulait en fait. Bon, bah écoutez, tant pis. Ah, bonjour Twister Rob, comment ça va? Alors, nous allons lancer la cuisson de la morue. Hop, donc là, ça va être... Donc comment on va faire? En fait, on va partir d'une eau froide. On va mettre la morue dedans. La morue dedans. Sans doute, je le voyais sur... ouais. J'avais invité deux stagiaires à venir passer une soirée dans un bar à Montclair. Et ils sont tombés très saoulés à minuit. Ils tiennent pas, attends, les stagiaires. Puis je leur ai dit qu'il reste encore 2h30 avant de... Ils ont compris qu'on fait très fort. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, on est dans le 13. Ah bah oui, bah à Cala, du coup, mince. Capitale du Portugal. T'es un multi... Ah! Cafard. Oui, c'est un multi de... Mais oui, c'est clair, c'est un stagiaire de canapé. Planète Mars. Ouais, grave. Nous aussi, on aime bien inviter les stagiaires au tas. Excellent. Alors, donc, du coup, on va cuire notre morue à couvert. On va commencer avec de l'eau froide. On va la mettre dedans. Et on va juste porter l'ébullition, puis après, on laissera tranquillement pocher. Un peu. Du coup, je vais peut-être changer de gaz. Ouais, je vais mettre les œufs devant. Alors, attendez, on va changer déjà. Les œufs, vous venez par là. Voilà. Attendez, je pousse. Voilà. Et on va prendre notre morue. Bon, il y a un sacré morceau. Donc, je n'ai pas besoin de la désarrêter. Ça a déjà été fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris comment j'ai grugé. Alors, on va faire un couvert. Et puis, bah écoutez, on va s'attaquer à notre aïeul. Marseille, ouais, et donc nous aussi on aime bien. Ouais, bah oui. Très bien. Bon, on fait petit pour mes selles. Et là, on est dans les temps. Autant vous dire qu'il nous reste l'anchoyade à faire. On va couper des petits légumes avec l'anchoyade. On aura un fond d'anchoyade. Et après, petit point vaisselle. Non, en fait, je vous propose plutôt de faire les navettes. On va essayer de faire la forme. Maintenant, on va essayer de. Voilà, je vais essayer de. De faire la forme, ce qui n'est pas gagné. Qu'est-ce que c'est bon? Ouais, la yummy maison, ouais. Bah là, du coup. J'espère que. Bon, je vais pas mettre une tonne d'huile, hein, parce que. Bon, voilà, je vais en mettre un petit peu. J'espère que ça soit quand même un petit peu bon. Parce qu'en fait, dans le plat, tout est hyper équilibré. Hein, et comme vous savez, il faut une ou deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, une cuillère à soupe d'huile d'olive plus une cuillère à soupe d'huile de lin par jour, c'est très bon pour la santé. Hein. Ouais, donc du coup, on va quand même en mettre un tout petit peu. Il a fait ça en 3 jours, donc Mathieu, ça donne. Excellent. Non, je pense qu'il va revenir. Il va revenir. Ça se trouve, il est en train de nous regarder. Il va nous revenir, il attend le bon moment. Est-ce qu'ils sont capables de tenir le coup comme les Français? Ouais, Yaya Cowboy, ouais. Alors ça dépend, je ne dois pas être fatiguée. Il ne faut surtout pas que je sois fatiguée. Sinon je dors. Moi je dors.
Sinon, en fait, il récolte très, 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 très joyeux. Donc, ouais, il faut trouver bon timing. Cafard et AFK. Marseille, elle a bien... La famille envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs, en bas des plaques, on le fait. Ok, ok, merci, merci Gastro. Avec les bibis, ouais, je sais pas. Psychiatre, Gastro. M'arrêtez, si, je vais répondre, Bigfoot. Ouais, désolé. Non, non, là, du coup, je vais faire attention parce que vous vous êtes mis plusieurs à me faire la remarque. Donc là, je vais faire très attention. Le psychiatre de la rime, c'est Soprano. Même. Ah, ok. Soprano, j'ai jamais regardé. C'est une série, hein. Ah non, Soprano, c'est le chanteur. Oui, il est bien en plus. Le clown, non, c'est ça? Attention, je crois que j'ai trouvé. Ouais. C'est ça, non? Ouais, je crois. Je crois. Un petit rangement et on va chercher notre pâte pour les navettes. Je me suis fait le chemin. Normalement, c'est pas très compliqué, mais ouais, on va voir. Hein. Hop. Derrière, on va juste ranger ça. Oui, oui, c'est ça, c'est le clown, ouais, c'est la chanson du clown. Ouais, merci Twister Up, ouais, c'est ça. À Marseille, c'est si Sex and Sun, mais sous. Il n'y a pas de. Ici, trop de filles sexy dans le 4 ans butin, je cherche une fille. Ok, donc là, c'est la suite de la parole. Tu vas dire, oh, ça doit être quoi? Ouais, c'est clair, bah loulou, tu m'étonnes. Ouais, donc c'est pour ça, tu sais, voilà. Bon, le midi, par exemple, quand avec les collègues, bon, généralement, on se fait ça en fin de période, le dernier vendredi avant les vacances. Voilà, je vais prendre un verre, pas trop, parce qu'on va éviter que. Voilà, de délirer avec les gamins. Parce qu'en fait, je vais me mettre à faire des blagues à deux balles et c'est pas bon, quoi. Pas avec les enfants. Funky Family, ouais. Sound et Funky, Sound, ouais. Merci pour le follow des Drotod. Merci. Je devais, il y a un blind test. Love. Avec l'alcool, la deuxième transformation, un très joyeux, c'est soit violent, soit endormi. Ouais, c'est ça. Bah, en moi, il n'y a pas du tout de violence, du coup. Non. Ouais, ça peut être dormi si je suis très très fatiguée. C'est alliance ethnique. Ah mince! Ah mince! Donc oui, c'était... ouais, d'accord, ok. C'était alliance ethnique. Ouais, je suis d'accord, c'est alliance ethnique. Tu me plais, je sais, mais t'exagères. Allez, monte ma caisse, bébé. Ah oui, attends, oui, monte ma caisse, bébé. Ouais, pardon. Ok, bon bah écoutez, je... Voilà, bon, le sous swing radical bien. Ok, d'accord. Tout ça. Merci, t'es avec moi. Bon bah mince, j'ai confondu, mais ils se ressemblent un peu, non? Saint et Funky, et l'autre c'était... Vous avez dit quoi? Alliance ethnique. Funky, ouais, Funky Family, je crois que je vois peut-être un peu moins. Désolée. Ok, donc c'est bon, on a fini ça, on passe. Donc du coup, c'est un groupe de musique dans la voiture. Oui, c'est ça, ouais, exactement. C'est un crime ce que tu as fait. Arrêtez, c'est pas possible, une heure de maths. Lilia. Ils vont t'en trouver. Oui, j'ai dit tiens, la K47. J'ai pas trop bien visé, je disais c'était l'autre avec le truc de la lumière rouge, je visais bien. Du coup. Mais on n'a pas mis à couvert notre... Hop. On attend que ça arrive à ébullition. Comme c'est ébullition, du coup, et du coup, je partais pour faire quoi? Les navets. Voilà. Un plat. Le truc, je connais rien. Ouais, mais oui, moi aussi, pardon, j'ai confondu. Non, le moniteur, il n'est pas décédé. Justement, il explique bien comment se positionner et tout. Non, non, c'est bon. Il était hyper gentil, hyper patient et tout. Jouer sans moi. Et cafard et AFK. T'es HS, c'est ça que ça veut dire? Ouais, bien ou bien, frère? On t'appelle le... Ok. Oui, ok. Ouais, non, ça veut pas dire t'es HS? Ça veut dire away from... Ah, ok. Ça marche, cafard. Merci. Non, mais j'ai toujours pas retenu. Ok. Très bien, on y va, un peu de fermier. On va faire mon navette.
Donc du coup, il fallait faire comme ça et après on fait des petits pics sur le côté. Je vous prends avec moi si vous voulez. Hop. J'adore quand tu lis le chat, j'ai envie de faire des longues phrases. Arrête, Kaik. T'as vu comment je me retrouve vite en PLS? Hop. Ok, peut-être que j'aurais pas dû mettre autant de paroles. Donc du coup, je vous prends avec moi pour les nanettes. Ouais, c'est chaud, hein. Non, là, je me dis... Pourtant, les amers, il faut manger... Ouais. Ah, ça y est, les mouches commencent. J'attends juste... Je vais travailler un petit peu la pâte, du coup. Parce que je trouve qu'elle est un peu sèche. Pourquoi? Ah, il faut des badigeonner de lait. Ok. Bon, alors, on va faire d'abord un boudin. Ensuite, on va les couper. Bon, bah, je vous prends avec moi. Allez. Je vais chercher un petit peu de lait. Ah bah, il fait le mettre dans la préparation, je crois. Ouh, j'ai oublié. J'ai pas mis de lait dans la préparation. Et il me manque, je crois que j'avais du lait. Non, je vois pas. Voilà. Je devais mettre du lait. Oui, Jean-Pierre Foucault est de Marseille. Ah, vous lui avez déjà expliqué. Je sais pas comment je dois... Attends, quoi? Oui, bah oui. Ah non, mais t'inquiète. Ouais, je sais pas. Y a tous les jours, c'est ces heures-là. Oui. Alors, il y a Cowboy. En fait, du coup, c'est le mercredi. Donc, les streams. Ah mince, je croyais que c'était pour les streams. Oh là, je suis perdue. Mais les bars, c'est 1 heure. Ok. 1 heure, ça fait tôt, non, que tu sors? Ah, Bernard Tapie, j'ai pas pensé. Ouais, t'as raison, mais grave. Mais oui, 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 fermeture des bars. Merci, Yacobel. Ah, c'est bon. Donc là, du coup, on arrête nos œufs. Ok. Et là, ça commence à avoir des petites bulles. Enfin, bientôt. Oh là là. C'est bon. On va être bon, on va être bon. Mettre mes œufs au frais là pour pouvoir les décaler rapidement. Oui, donc désolé, là il se passe rien sur le plan de travail. C'est quoi cette bouteille de... Oui, ah je la connais, c'est la pub des... c'est quoi cette bouteille de lait papa? Attends, c'est avec... En plus j'aime bien... Ah oh, là, c'est l'émission Burger Quiz. Ah oh, là, non mais c'est pas possible de pas se souvenir des choses comme ça. Alain Chabat, voilà c'est bon, j'ai retrouvé. Oui, c'est ça, c'est quoi cette pub de lait? On se revoit dans 100 ans. Non, pourquoi vous laissez qu'on... Comment? Attends, comment tu fais pour rester... moi, si j'étais un prof de français, je vois des fautes dans toute la... Ah ouais, tu deviens fou? Non. Il y a tellement plus grave dans la vie, tu sais. Non, c'est pas ça, c'est que tu te rends compte... Bah après, c'est pas... Là, bah, au concours, en fait, tu sais, t'as les 5 points. Quand tu passes le concours d'enseignant, du coup, t'as 5 points qui sont attribués au truc d'orthographe. Je les ai eus. C'est vrai que tu redis 15 fois et tout, mais après dans le quotidien, bah, parfois tu fais des fautes d'orthographe sans faire exprès et c'est voilà, tu vois. Donc au lieu de me prendre la tête et de m'énerver pour rien, moi je ne veux pas m'énerver. La vie est belle, hein, on en profite. Donc je ne veux pas m'énerver pour une faute d'orthographe, hein. On dit ah bah mince. Ouais, c'est Chabat. Ouais, grave. Papa, comment on fait des bébés? C'est exactement ça, Scandalana. Ouais, grave. Elle est trop bien la pub. Du coup, on va mettre un petit peu de lait. Hop. Elle est une preuve de... Arrête! C'est pas gentil! Oui, voilà, donc du coup, il faut se remettre à son niveau, quoi, tu vois. Donc là, nous avons notre boudin, on va le couper, et puis après, on va faire la forme. Bon, bah, hop là. C'est parti! Très bien. Tu as appris ta cuisine au Canada pour faire ces... Cuisine, il est plus tout jeune, Chabat. À mon avis, les bites, ça lui est passé. Les quoi? Mort de rire. La cuisine, non, je l'ai appris nulle part en fait. Non, non, du tout, Nia Cobain, hein. Je suis pas du tout diplômée. Hein. Ouais, ça aurait été. Il y a encore des petites techniques qu'il faut que j'apprenne quand même. Donc là, on va faire des tronçons. Et on va surtout allumer le four. Donc il faut à peu près, je crois, 20 minutes de cuisson. Ouais, c'est ça. Donc, hop, on va... Ah, ça déborde. Donc, c'est bon. Non, ça déborde. Et bah, écoutez, on va faire la forme. Donc, apparemment, il faut aplatir sur les côtés. Hop là, faire comme ça.
Voilà, pour que ça fasse la navette. Si tu avais le lait en poudre, tu peux le mettre direct ou obligé liquide? Bah là, du coup, c'était juste... non, en poudre, ça aurait été plus compliqué. Ah, comme le... Ah oui, comme le sexe masculin. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Du coup, bah écoutez, je pense qu'on est bon au niveau de la forme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, on fait le petit. Voilà. Et là, on y est, hein? Hop, nous avons la première navette. C'est bon? On s'est validé? Ah ah, elle dit que... Ouais, bah oui. Tu veux, pour avoir appris ta cuisine? Oui, oui, complètement. Ah non, oui, complètement. Voilà. Donc là, on est bon. On va continuer. Donc le deuxième. C'est quoi ça? C'est une navette. On dit bite? Ah mais oui, alors si vous voulez, je dis, mais voilà, après c'est un peu plus... ouais, c'est un peu plus... C'est, j'aurais peut-être dû les faire un peu plus large, celui-là, du coup. Alors, attendez. Hop. Hop. Ouais, parfait, c'est ça. Juste la phrase. Ben oui, attendez, il faut que je dise ça, parce que vous imaginez si je dis à mes élèves, oui, ben vous savez ce que vous avez quand on fera la reproduction. En plus, le pire, c'est que ça peut sortir, donc c'est pour ça que je m'oblige. Avant d'être maîtresse, je disais énormément de gros mots, mais vraiment énormément. Et donc là, donc, du coup, je m'oblige en fait à envoyer des mots un peu plus soutenus, quoi. Hop. Donc nous avons notre deuxième navette. Ça a l'air léger. Ben ouais, grave, c'est clair. Hein. Mais grave. Une zigounette, non? Ouais, non, je dirais pas ça aux élèves. Non, non, j'en pleurerai. Bonjour, Fécrouche. Hé, hey, ça fait un petit moment. Hop. Ouais, ça a l'air quand même... Oui, c'est vrai que ça a l'air bien dense, en fait. Hein. Hop. Alors, ah là là, ça parle de... Salut, Fécrouche, ça va? Ouais, là, du coup, on est un peu parti. Donc là, on est en train de faire les navettes. Alors, je sais pas si ça les a inspirés. Comme la foufoune. Ouais, maintenant je dirais pas foufoune. Hein. Je leur dirais bah, vagin et pénis. Hein, voilà. C'est les termes. Hein. Et en fait, faut pas avoir. Faut dire des choses aux enfants en fait. Ça évite de faire des enfants qui sont un peu frustrés et qui vont faire un peu n'importe quoi. Et qui ont personne à qui parler. Parce que les parents sont pas très ouverts sur ce sujet, ce qui est bien dommage. Voilà, ça pourrait éviter certaines bêtises. Voilà, si les parents. En discuter avec facilité, hein, parce qu'il n'y a rien de mal, en fait. Hein. C'est juste la nature, hein. On est comme ça. Hein. Ça va? Ouais, ça va. Pourquoi tu nous fais ça? On a tellement une belle image des profs. Ah. Ouais, mais je suis pas... Assez, moi, je suis prof en élémentaire, donc du coup, en fait, c'est... bah, super, j'ai faim. Élémentaire, tu fais vraiment toutes les matières. Et là, du coup, en fait, donc cette année, je vais avoir les CM2, donc on va aborder donc, la sexualité. Voilà. Les poils, la reproduction et tout ça. Et donc du coup, bah, je trouve que heureusement qu'il y a ça à l'école, sinon les parents en fait ils évitent le sujet quoi. La dernière fois que j'ai dit ça a fait, j'ai pris 3 ans d'interdiction, non mais n'importe quoi. Ça je connais pas tiens, ouais gastro dire foufoune. Vulve et chibre, ah tiens je connaissais pas, oui il y a vulve, ouais, c'est normal. Bon bah très bien, donc nous avons nos nanettes, je vous avoue que je vais peut-être les aplatir encore un peu parce que je me sens que c'est un peu plus plat hein. Là ils sont vachement... Hop, je vous reprends avec moi. Coucou. bon, salut Cyrus. Ah, Cafard, il a dit quoi Cafard? La guiguite. Ouais, la guiguite. Ah ouais, je connais pas. Ah non, ouais. Cafard, ouais. Et voilà, donc du coup ça... Voilà. Et donc ils ont une petite boîte en fait où ils peuvent mettre tout leur... leurs questions en fait. Hein, parce qu'ils se posent énormément de questions à ce stage-là. Et en plus, je vous raconte même pas à quel point ils sont déjà précoces en CM2, vu les questions qu'ils donnent. Qui demande et voilà du coup bah, ça fait un, voilà, un espace où ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent en toute sécurité voilà. Et ils peuvent apprendre des choses voilà et bon attendez ça c'est bon, il y a juste le lait que je vais ranger du coup. Le lait voilà. Et on va prendre du papier sulfu et hop au four. Oui le chat de ma... Ah attends de quoi? La schneck et les... Alors, ouais, ça, c'est moins classe, hein. La schneck et les gags dans mon score. Un YouTube de Bobo les... de Doom. Oui, elle doit aller voir un de ses YouTube de Bob le chef. Pour lequel, Lilia Cowboy? Non, je vais pas les traumatiser. Au contraire, enfin, normalement, j'arrive à créer un bel esprit d'équipe dans la classe. Donc là, normalement, j'espère que je vais y arriver. Du coup, je cherche mon papier et... Non, mais...
Je n'ai plus de papier sulfu. Bon, ben, on va prendre du papier aluminium. Ben, il faut que je note sur la liste. Hein. Hop. Le chat et le pénis, c'est joli. Non, le chat. Ah, au féminin. Vous allez tous les faire. Bref, ça va. Donc, du coup, j'ai déjà fait une première fois, donc c'est, je me sens prête pour cette année. Martine se pose des questions sur la foufoune. Bah oui, mais complètement, il faut qu'ils aient un espace pour pouvoir poser leurs questions. Je suis désolée, hein, ça occupe quand même une bonne partie de notre vie. Hein. Donc voilà, il faut juste leur montrer que c'est pas bien. Au contraire, justement, apprendre à le gérer en fait. Ok, on y va. Ok Google, peux-tu me mettre le minuteur sur 15 minutes? L'Insta, merci pour les l'Insta. Ouais, c'est gentil. L'anarchie culinaire, selon Bob. Je te l'envoie en PV. Ouais, ça marche, Lilia Combat. Bien sûr, un minuteur de 15 minutes appelé. L'Insta te remercie pour les stars. Ouais, c'est gentil. C'est parti. C'est parti. Ok. Mais de loin. Attends, je te l'envoie. Ok. Maya, l'anarchie culinaire, c'est le bon. Ah, je connais pas. J'ai été regarder, vous m'avez dit d'aller voir Alan Food Challenge. Du coup, j'ai regardé une ou deux vidéos, mais bon, voilà. T'as des gros Robert, mon café. Marre de rire. Arrêtez! Non, bah, Loulou, là, j'ai mis 15 minutes, bah, Loulou, mais tu sais que je crains les trucs, donc je n'ai pas envie de mettre une demi-heure, parce que je sais pas du tout ce que... Et en fait, le temps que je me rends compte, au bout d'une demi-heure, bah, ça va peut-être déjà cramer. Donc, 15 minutes, je peux regarder et remettre 5 minutes, tu vois. Ouais, et je vais faire un petit... Tu fais pas l'innocent, tu sais bien. Avec tout ce qu'elle a dit, bien. Ok. Bon bah écoutez, on lance les nonnettes, je vais juste les aplatir un peu plus. Ouais, j'aurais peut-être dû les aplatir un peu plus. Hop. Voilà. Non mais écoutez, je trouve que ça y ressemble quand même. Hein. Par contre la pâte, je la trouve pas très souple. Allez, c'est parti. Ouais, la pâte, je la trouve un peu lourde. Je sais pas ce qui fait ça. Parce que du coup, j'ai tout mis, j'ai mis le sucre. Mais ouais. Ouais, je sais pas. J'aime bien ça tient dans les mains. Arrêtez là avec ce qu'elle a dit, Mita. N'importe quoi. Je vais manger un bout en ville avec un pote, je vous laisse. Ouais, ça marche, Netty Netty. Merci d'être passée. C'est des grosses nonnettes. Ouais, c'est clair, elles sont énormes là. Mon boudin, j'aurais dû le faire un petit peu plus fin. On est déjà aplati. Voilà. Voilà. Ah ouais, ils sont énormes quoi. Bon, soit c'est petit, soit c'est gros, chez moi c'est fou. Hein. Un jour on va t'entendre. T'avais pas oublié le lait Maya. Ah aussi à l'intérieur. Oui, mais j'en ai mis autre. Oui, à l'intérieur, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Bah ça y est, je suis grillée. C'est vrai. Mais il fallait pas en mettre beaucoup, il fallait juste mettre 2 cuillères à soupe. Donc normalement c'était bon. Enfin, voilà. Ça ne veut pas changer à ce point-là la recette. Un jour on va t'emprisonner, t'es folle d'apprendre des choses comme ça à des uns. Mais non, pas 6 ans, Kik. Ah, mais non, c'est au CM2, c'est au programme, hein, t'inquiète pas. Hein. Je fais tout bien comme le programme. Hein. Non, non, les enfants de... Ben non, on parle pas d'éducation sexuelle. CP, CE1. Non, on n'en parle pas. En CE1, on commence la reproduction des animaux. Hop. Non, la reproduction des animaux. Non, la reproduction des plantes. En CE1. Ouais, ça m'a l'air vachement lourd. Je comprends pas. Bon, bah, on va bien voir. Ouais, c'est pas lisse la pâte, donc du coup, ça va pas être joli. Non, du tout, ça va pas être joli. Bon, bah écoutez. Allez, c'est parti. On voit ça tout à l'heure. Et donc, du coup, on va passer à nos deux. Donc, on va faire notre sauce aioli et notre anchoyade. Et puis, on les pigeons, ce sera bon. Hein. Hop. T'aimes les navettes en béton? Ouais, je crois qu'on est pas loin du béton, j'avoue. Elle m'a créé une armée de pervers. Mais non, non du tout. Non, non du tout, Kik. Franchement, et en plus, c'est pas le but, tu vois. C'est vraiment... Nous, les enseignants, on n'est pas là pour dire. Parce qu'en fait, je reprends. Il y avait une. Donc, les élèves que j'ai récupérés, c'était les CM2. Et comme ils étaient en double niveau l'année d'avant, en fait, ils étaient avec une autre maîtresse qui leur expliquait qu'on pouvait avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Et ils ont dit ça pendant le cours. Donc elle a expliqué que c'était possible d'avoir des enfants sans hommes. Je lui dis, ah ben, c'est marrant.
Parce que du coup, en fait, il lui avait demandé de travailler bah, la reproduction en fait, chez les humains. Hein. Et donc, elle avait dit, donc l'approche n'a pas voulu. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça qui m'énerve, en fait, que les gens soient aussi fermés. Parce que les gamins, ils ont envie, enfin, même s'ils vont faire que rigoler, ils vont tout faire et tout, ils ont juste envie de le connaître. Et donc, cette prof a expliqué aux gamins qu'elle dit, mais ça sert à rien, en fait, voilà, on ne le fera pas cette année. Sachez qu'en tout cas, voilà, on peut avoir, être une femme toute seule et avoir des enfants. Et là, le gamin, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, ça les a tellement marqués qu'ils m'en ont parlé. Donc, c'est les CM1 que j'ai récupéré en CM2. Et ça les a tellement marqués que du coup, bah, en fait, ils m'ont dit, maîtresse, c'est vrai qu'on peut... Donc voilà. Enfin, voilà. Donc du coup, voilà, faut pas rester fermé parce que du coup, ça peut choquer en fait certains enfants quand ils ont pas les réponses. Hein. Les mouches peuvent aussi faire le taf. Ah, Karen, donc pour 60 secondes. On parlait en quatrième avant. Ouais, mais fait crouche, en fait, tu sais, là, les enfants, ben là, j'ai envie de dire que c'est un peu la faute des parents. Hein. Les enfants, ils voient de plus en plus de choses. Moi, j'avais un élève de CE2 qui me faisait des. tu sais, genre. des trucs chelous. CE2, ça a 8 ans. Mais ils ont vu tellement de trucs bizarres. Aujourd'hui, il faut en parler le plus tôt possible, quoi. Parce que les parents font pas attention à ce qu'ils regardent. Le problème, c'est qu'il y a Internet, hein. Donc, ouais. Et les parents laissent leurs enfants aller faire n'importe quoi. Avoir un téléphone portable, ils ont des téléphones portables, moi en CM1, ça veut dire qu'ils ont 9 ans, 10 ans, ils ont les téléphones portables, donc vas-y, hein, tu peux aller sur le site que tu veux. Merci pomme de figuier. Donc ouais, moi je pense qu'il faut en parler le plus tôt possible. J'ai une maîtresse, j'ai perdu ma maison. ouais, des enfants, ah, salut pomme de figuier, oui tu peux, moi aussi ça me, oui oui, moi aussi. Et donc là, ben là ce que je t'ai expliqué, c'était mon élève de CE1 pendant le confinement, je sais pas si vous vous souvenez de la petite histoire, où le père il m'a appelé. Et il m'a dit, bon, bah écoutez, j'ai pas le temps, j'ai acheté un téléphone portable à mon enfant, donc pour le travail, en fait, vous voyez ça avec lui. Vous l'appelez directement sur son portable. Je lui ai dit, non. Non, non, j'appelle pas directement sur son portable. Ouais, salut, pomme de. Voilà. Donc, du coup, et là, les parents, il y a quand même un gros, gros, gros déficit hein, chez les parents. Voilà. Donc, nous, après, dans l'éducation nationale, on est obligé de, bah, de devoir parler de choses qui. Voilà. Qui, normalement, oui, effectivement, on en parlait un peu plus tard avant. Mais moi, attendez, en CM2. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un kiki, quoi. Enfin, si, j'avais des frères, mais bon, je n'avais aucune... Je sais pas, j'avais pas de questions, en fait. Et je me faisais... Si, je regardais Hélène et les garçons, et mon papa n'était pas content, parce qu'en fait, il se faisait des bisous. voilà, ça, c'était mon époque à moi. ouais, bah oui, c'est... Non, pas grâce à l'éducation catholique. Ils ont... Non, c'est grâce à la faute des parents. Là, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça va trop vite. Ça va trop vite. Très bien, donc là nous avons notre morue qui est prête. La cuisson elle a l'air vraiment pas mal. Mince, ça s'est coupé. Non, fallait pas te couper, je voulais que tu sois belle. Ok. Merci pour le follow. Merci monsieur Cacao. Monsieur Cacao, excellent. Merci pour le follow. Bon, hop. C'est bon, j'ai récupéré ma morue. Ne te casse pas trop s'il te plaît. Je voudrais que tu sois jolie dans le plat. Voilà, bon, là j'ai un beau morceau qui va casser. Parfait. On passe à l'aioli. Donc, aioli, on va avoir 6 gousses d'ail, un jaune d'œuf. Il y a des parents qui te payent pour faire des cours privés à leurs enfants. Non, c'était pas en confinement. Ouais, l'aîné les garçons. ouais, ouais. Mais mon papa, il voulait pas que je regarde l'aîné les garçons. Et encore moins, je sais plus, il y avait le premier baiser. Je me souviens, voilà. Bonjour Flo, comment ça va? Ouais, salut Monsieur Cacao. Non, du tout. En fait, à travers mes streams, on part un petit peu partout. Donc, on fait soit les régions de France, soit dans le monde. Donc, typiquement, vendredi, on va faire des recettes médiévales, qui datent du Moyen-Âge. Samedi, on va faire la street food américaine. Et dimanche, on va faire spécialité de Bourgogne. Et Cafard, il a dit quoi? Salle du Flo. Quoi? Des raviolis. Quoi? Des raviolis? Non, c'est pas des raviolis. Bien les sitcoms. Oui, bah voilà, ça c'était nous ce qu'on avait. Eux aujourd'hui ils ont les anges, ils ont les ch'tis. voilà quoi. C'est pas la même chose. Ok, et donc à faire, non, c'est à ce. merci Bigfoot, très drôle, merci. Mais ça s'approche. Alors attends, parce que t'as dit quoi, Cafard, du coup laisse tomber ton idée, le temps que ton enfant grandit, ça sera retraité. Il lui reste moins de 10 ans. Ah ouais, peut-être ouais, moins de 10 ans à vie, mais peut-être pas. Lali, tu aimais bien Lali, je la trouvais pas jolie, hein. C'était pas ma préférée. Ouais, ça va bien, Flo. Oui, on parle de.
de l'éducation sexuelle des enfants. Le couscous familial, oui c'est vrai, Fécrouche, tu as raison. Bah, le couscous, il faudrait qu'on parte du côté de l'Afrique. Mais là, j'ai pas prévu. Même pour les streams de fin août, est-ce que j'ai prévu l'Afrique? Non, pas encore. Non, non. La Lily TikTok, ah, vous la trouviez jolie. Ah ouais. D'accord, donc Hélène, Johanna et tout ça, moins. Ah, les Marseillais, ah oui, oui. Voilà, ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est ce que regardent les enfants aujourd'hui, parce que leurs parents regardent ça en fait. Donc leurs parents ont 25 ans, 30 ans, bah, ils regardent les ch'tis. Hein. Oups là. Ok. Bon, on est bon. Ok. Bon, bah écoutez, Gachon, c'est qui Gachon? Bénédicte. Bénédicte. Ah, Cyrus, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'aimais bien Bénédicte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Lali, ouais, c'est marrant que vous ayez mis tous Lali. Hein, c'est marrant. Bah ouais, c'est. Ouais, bah je m'y attendais pas, tiens. Et la brune, là, dans Le miel et les abeilles, vous la trouviez bien ou pas? J'étais fan des gros bras de Gérard. Ah, ouais, Gérard qui fait trop bien le. Ouais, qui faisait trop bien le gay, hein, le gars. Hop. Très bien. Donc là, nous allons préparer notre aioli. Donc j'ai mis 6 gousses d'ail. On va mettre un jaune d'œuf. En fait, je vais récupérer cette partie. Enfin, voilà. On va pas gâcher. Il y a un petit peu de blanc, c'est pas grave. Hop. Et on va monter. Alors, donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Mais vraiment un petit. Non, on va déjà mixer. Non, fallait que je mixe avant. Bon, attendez, on va mixer. Et on mettra l'huile après au fur et à mesure. Jus de citron, il est là. Hein. Bella, elle avait un goût à se taper José. Oh. Ah non, c'est pas celle-ci auquel je pense. Celle qui avait les cheveux bouclés, elle arrive à. Manuela, non, c'est ça. Trop tard. Ouais, je sais d'où, mais grave. Fallait que je mixe d'abord. Écrasé au piment. Bon, bah écoutez, bah ouais. Bah, je vais récupérer l'œuf. Hein. Parce que je pense que ça va pas être terrible sinon. Hop. Ouais, je récupère l'œuf. Ouais, c'était Manuela. Bah, c'est elle que je trouve jolie. Salut, bonjour Scooby-Doo. Ouais, et c'est pas une maillot. Oui, ouais, bah oui, c'est clair. Donc, je me suis plantée quoi. Ah. Ok, alors on y va. Ok, encore un petit peu. Ah, mais j'ai mal couvert pour que je bosse pas. Et c'est fait, c'est pas une. Ouais, grave. Scooby-Doo. Ouais, bonjour Scooby-Doo. Ça va? C'est fait, je t'ai envoyé sur ton message Instagram. Ok, ça marche, Yaya Cowboy. Non, bonjour McLovin, ça va? Non, c'est vrai, vous aimiez pas? On est sur Hélène et les garçons, merci de ne plus parler que j'ai. Ah, tu m'étonnes. Non, mais voilà, c'est pour dire ce que nous on avait à l'époque et ce que les gamins ont aujourd'hui. Bon, avec l'ail, ça va un peu moins vite, hein. C'est meilleur que les poudres. Hein. Oui, parce que les trucs mous, en fait, c'est avec l'autre. Bon, c'est pas grave. Ah, on va terminer avec le truc de. Ouais, je vais essayer de terminer avec ça. Et donc, du coup, l'aioli, c'est pas ouf. Oh, c'est trop bon, en vrai, la sauce aioli. Ton ail a chauffé, est-ce qu'il est acide avec un goût de fer? Acide avec un goût de fer? Pourquoi? Non, par contre, il pique. Ouais, par contre, ça pique en fait. Ça pique de ouf. Hop là, non mais si on. Ok. Donc Bruno, le videur de nuit. Je suis dessus, le nom de toi, à Bigfoot. Ah, la sauce. Ah oui, fallait pas. Alors attendez, je voudrais une cuillère. Là. La Yoli, ouais, je sais, c'est au pilon, mais j'ai pas un doom. J'ai le pilon de l'autre côté, mais pas ici. Donc je suis en train de faire un carnage pour toi. Après, il y a des beaux petits morceaux, hein.
Alors attendez, j'y vais. À cause du broyeur. Ouais. Donc là, du coup, j'y vais. Pour ceux qui restent. Bah écoute, non, j'ai pas le goût. Par contre, j'ai vachement le goût d'ail, ça c'est clair. Mais j'ai pas le goût de. T'as dit quoi? C'est un goût de quoi qu'il faut? C'est le même style, ça. En plus, j'ai envoyé à mon souper d'hier ma poutine italienne avec fromage mozzarella et parmesan avec sauce brune au bœuf. Ah, trop bien, super, merci Yacobaï, merci, merci. Ouais, c'est ça, c'est avec la écluse. Ouais, du coup, ça fait. Le goût est vachement prononcé, quoi. Mais c'est l'ail confit, hein, c'est super bon. Hein. Igueugue. Ah non, pas igueugue. Ah ouais, non, igueugue, non. Bah, c'était pas. Je la trouvais pas jolie. Moi, j'aimais bien Lola dans Le miel des abeilles et Emmanuela, voilà. Je l'ai trouvé joli. Ok, bon. Notre ail est bien écrasé, du coup. On va mettre notre jaune. Hop. Ça passe pas. Voilà, et après, faut pas que je me trompe, faut que je passe pas. Ok. J'ai mis un plat. Non mais c'est... En fait ça fait passer dessus par tous les muscles. Mais n'importe quoi, bah, c'était la salle dans sa ligne muscule, donc à moins d'être une éponge. Ouais bah oui, ah oui oui, d'accord, ok. Désolée, je vais être obligée de te ban, tu me donnes trop faim. Ah, faut trop que j'aille voir alors. Bon bah écoutez les nonnettes, c'est en route. Ok Google, peux-tu me mettre le minuteur sur 10 minutes s'il te plaît? Donc je pense que ouais, on était bien parti sur 30 hein. D'accord, un minuteur de 10 minutes. Merci. C'est parti. Allez, c'est parti. Merci. Ok, du coup. Donc là, on va monter légèrement à l'huile d'olive. Voilà. Et après, bah écoutez, il nous faut juste du sel et puis c'est bon, hein, jus de citron et on est bon. Ok, parfait. Ouais, c'est Mallory Nataf, exactement. Oui, elle, je l'ai trouvée jolie. Et donc Bigfoot, je suis très cuisine italo-américaine. Ah, d'accord, Yaya Cobaye, ok. Gastro plus 1000, j'ai vu en live le passage. Ah, ah, l'histoire de la jupe. Si, ça me dit quelque chose. Ouais, je sais pas. Quand t'es en train d'expliquer ta leçon à tes élèves et deux, faire pipi, ils te demandent comment. Non, alors moi, cac, en fait, c'est simple, il n'y a personne qui va aux toilettes. Hein. Les règles sont depuis le début de l'année. Donc, ils attendent la récréation. Donc, c'est avant, ben, quand ils arrivent de chez eux, en fait. Ils attendent la récréation pour aller aux toilettes. Donc, du coup, en fait, je peux pas. Je suis pas interrompue pendant. Sauf si vraiment il y a urgence, tu vois. Bah, je vais laisser et tout. Mais sinon, non, il n'y a personne qui va aux toilettes. Et ça, c'est la règle assez bien établie et tout. Non, j'ai pas. Pipi en classe, tu l'as avec les matières. Beaucoup moins avec les élémentaires. Ouais, il paraît que Ophélie Winter est rendue accro au crack. Oui, ça j'ai vu, ouais. Elle est un peu mal tournée, elle. Hein. Qui a vraiment fait des films X? Ad Cyrus, Giant Coco. Il regarde des pornes avec des personnes de petite taille. Ok, je sais pas qui c'est. elle a toujours ses gros Robert de presque 11. Ah, bah oui, c'était fait une opération, je crois. Ok, on continue. Donc, du coup, on va rajouter le jus de notre citron. Il nous faut une cuillère à café d'eau. Hop, un tout petit peu. Ok. Donc toujours tourner dans le même sens. Donc je continue à tourner dans le même sens. Notre citron. Je l'adore, c'est des filles très courageuses et passionnées. Adoum. Alors attends, c'était aussi. C'était qui les filles? On a le chat, je sais pas où est-ce que vous en êtes. Elle est chelou ta question. Ouais, c'est clair, ouais, Twister Up, ouais, je suis d'accord. Non, non, t'inquiète, tout va bien. C'est moi qui l'ai écrit, ok. Ah salut Rôti de Dinde. Bonjour Rôti de Dinde, tu vas bien? Du coup, on continue encore un tout petit peu. Le fameux, ouais, le fameux Rôti de Dinde. Ouais, c'est la dinde fumée de... de Baloulou. Merci Balou. Baloulou. Du coup, je sais pas si je partirai sur une dinde fumée pour le whisky. J'aimerais bien partir sur du bœuf. Ok, bah écoutez, on a notre aioli.
Bon, ça va être fort, Maya. Ouais. Je dois te rajouter un petit peu de... Ouais, un petit peu de citron. Voilà. Très bien. Donc, on va le mettre dans un petit plat pour la présentation. Et du coup, tu n'as pas pour rajouter, c'est pas... Ah, c'est pour moi. D'accord, ok. Et tu as une jolie jupe. Ouais, merci. Ouais, merci. Qui quoi au menu à midi pour savoir si je viens ou pas. Salut Yacine, Yacine Benki. Donc on fait une aioli marseillaise, du coup on fait un petit plat. On va faire une enchoyade et on termine par des navets. Bon, les navets pour l'instant j'ai pas l'impression que c'est très réussi. Dans quoi je peux mettre la mayo pour que ce soit joli? J'ai pas. Bon, bah écoutez, on va mettre ça. Ah si, on va mettre ça là-dedans. Très bien, comme ça on trempera dedans. Et donc whisky, non, fait crouche, non du tout, c'était whisky avec, ouais, d'un fumé, donc ça c'était, du coup c'était la petite recette de Baloulou. Donc du coup qui m'a inspirée, je me suis dit à la place je ferais bien peut-être un rôti de bœuf avec le whisky. Oui, parce que le stream whisky est prévu à la fin, hein. La fin du mois. Ouais ça va, mais tu peux demander à Google si Jayane Coucou avait vraiment un Jayane Coucou. Ok Google. Est-ce que Jayane Coucou avait vraiment un Jayane Coucou? Voilà ce que propose Facebook. De quoi? C'est une image, alors du coup, pourquoi elle parle pas? Génération Jayane Coucou. Ah, le miel et les abeilles. Bah, il y a le miel et les abeilles dedans. Ouais, c'est ça? Faut pas crier sur Monsieur Google. Ouais, désolé, oui, c'est vrai que je parle fort. C'est défaut de métier. T'avais 7-8 ans, tu peux me remonter le moral, enfant que prof. Ah mince! Donc du coup, ça t'est arrivé en classe. Mais t'inquiète pas, quand ça arrive, du coup, si ça arrive, moi, ça arrivait avec un CE2, mais c'était il y a 3-4 ans. Du coup, les enfants sont hyper mignons. Hein. Et en fait, bah, tu fais le plus discretos possible et tout. Enfin, voilà. Donc, moi, normalement, ils n'ont jamais été trop traumatisés. Et je t'ai dit, enfin, après, ça va être un peu le melon et tout. Mais en fait, j'essaye de créer, tu sais, une ambiance de classe qui fait qu'on se respecte les uns les autres, et quand il arrive quelque chose, et ben donc au lieu de se moquer de quoi que ce soit, en fait c'est vraiment faire attention à la personne, à ce qu'elle est en train de ressentir. Voilà, donc c'est très voilà, donc normalement c'est hyper bienveillant dans la classe, ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper mignons. Voilà, donc ça c'est ce que j'essaye de créer, et du coup j'y arrive. Bon, pas au début tout de suite, hein, il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais du coup voilà. Donc en tout cas, si ça arrive, moi je fais confiance à mes élèves et je sais que ça se passera bien, en fait. Donc faut voir la filmographie de Jayane Coucou. Ok, je regarderai. Il avait le miel et les abeilles, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai, Jayane Coucou. Il enlève du miel aussi. Je recherche quelqu'un qui a 20 000 calories pour un couscous tfaya à proposer. Et je crois que Bigfoot, il a des calories en rab. Un couscous tfaya. Attends, je note. Hop là. Okay, il a fait plus... Oh, vous êtes pas gentil, vous êtes pas gentil. Et le chat bienveillant. Je prends cher, cafard. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, on est plus dans la... Alors, du coup, je vais changer les lames parce que j'ai vu que c'était pas le bon. Si je fais des trucs mous, c'est l'autre. Vous savez, c'est les 4 lames. Très bien, donc on va prendre nos anchois. Donc anchois, oméga 3. Donc très bien. Donc poisson gras. On est parfait. On a un poisson blanc, un poisson gras. C'est parfait. Du coup, je vais vous montrer le plateau parce que là, du coup, on est bon. L'aïoli marseillaise est prête et ça donne trop envie. Alors je sais pas si ça va vous donner envie, mais en tout cas moi ça me donne trop envie. Ok, alors je vais chercher les bulots. Ouais, donc là en fait c'est pas qu'il y a de la triche, hein, c'est que le bulot est déjà cuit. Bon, c'est peux plus continuer, si tu fais un wishlist sur Amazon, s'il te plaît, un micro de qualité. Non, c'est vrai, on m'entend pas bien. Ah mince. Du coup, on n'entend vraiment pas bien. Hop, une wishlist. Et le micro, du coup, j'avais pris quoi? J'ai pris... ouais, c'était avec Logitech. C'est les caméras, elles sont... Normalement, je crois que j'avais regardé, caméra streamer et tout. Je vais t'appeler Pampers. Hein. Je suis plein de rage aussi, quoi qu'il puisse la pisse à part moi ici. Ok. J'ai 35 000 Doom. Ouais, bah oui. Doom, vas-y. Si tu veux prendre celui de... Bah, je sais pas, vous voyez ça un peu moins. Mes pattes, t'es décédée. Ah non, attendez, je vous montre. Attendez, je fais la présentation. Hop. Et voilà. Donc du coup, attendez, je débarrasse, je fais joli. Si tu fais ça, ok, si c'est bon. Cafard, c'est un...
Je vais t'appeler Pampers. Voilà, c'est trop mignon. Ah bah oui, Pampers. Alors, donc je débarrasse pour que ce soit joli. Et je vous montre ce que ça donne. Donc, Doom, tu me dis si tu valides ou pas. Hein. Ok. Donc, nous avons notre... Attendez, j'enlève bien tout. Rôti de dinde, oui, d'accord. Merci, merci, excuse-moi. Alors, rôti de dinde, ça... Ok. Oh, t'es où, t'es où? Rôti de dinde. PLS. Alors, j'adore ce genre de chaîne. La cuisine, c'est mon métier. Ah, c'est vrai. Mais alors, fais attention parce que moi, je rate pas mal de choses. Hein. Mais un petit zoom sur ton plan de travail. Exactement. Et j'allais le faire. J'allais le faire. Du coup, nous avons préparé notre aioli marseillais. Voilà, il est là. Vous le voyez? Peut-être mettre un petit peu de citron. Donc, nous avons notre sauce aioli. Donc là, nous avons notre morue. Donc, c'est vrai qu'il manque... Donc, soit les soupieux. Bonjour l'artiste. Ah, salut l'artiste. Ah, l'artiste du net, il est arrivé? J'ai pas vu. Et regarde la caméra aussi. Oui. Oui. Je suis un enfant de 8 ans, elle remonte. Moi, je remonte. Ok, je suis en retard en fait. Faut pas t'aller à la régie. En fait, j'aimerais bien avoir un assistant. Voilà, donc du coup, nous avons notre aioli. C'est validé, Doom. C'est validé. Donc là, il manquerait à la rigueur des petites crevettes. Voilà. Ouais. Avec ça, je peux manger là. Non, c'est vrai, Marité, regardez comme c'est beau tous ces légumes. Et se faire... Ok, alors je le mets au frais, le temps qu'on finisse le stream. Parce qu'il nous reste l'enchoyable à faire. Hop. On va faire un petit point vaisselle. Et on attend que les navettes soient prêtes. Oui. Ah bah voilà. Alors c'est bon, on est bon. Oh, je vais sortir les navettes, du coup je vous reprends avec moi. Hop. Je vous reprends avec moi. Ouais, ça commence à griller. J'ai l'impression que ça ressemble à du pain. C'est quoi, c'est la farine des potes qui fait ça? C'est beau, mais ça sent... Mais oui, arrêtez, c'est trop beau. Et ça a l'air trop bon. Ouais, Doom, c'est bon. Yes. Et ça a l'air vraiment trop bon. Bon, ouais, c'est bizarre, ça ressemble à du pain. Bon, je vais vous montrer, et ça, je comprends pas pourquoi en fait. J'ai vraiment mis les ingrédients en fait, je comprends pas. Ou peut-être que c'est ça, je connais pas bien. Ils essaient d'imiter le roi. C'est beau, mais ça. Oui, oui, complètement. 5 kiffes les couilles, se faire longer. 35 ans. C'est toi, 35? D'accord, avec toi, parfaitement. Et non, je vais signaler les personnes qui manquent de respect. On est sur Twitch, oubliez pas. On est sur Twitch. Ok, alors qui manque de respect? Je faisais un dernier encore à Jane Coucou. Ah, je sais pas qui c'est. Jane Coucou. Ah, Doom. Ah, m'arrête, Doom. C'était pas pour ça. Merci pour les tirs. Mais non, du tout. Au contraire, moi, ça me fait plaisir. Mais ouais, belle idée. Ouais, merci. Merci, Doom. Merci beaucoup. Ok, du coup, j'étais en trop. Hein? On va mettre. Ouais, du coup, là, on va mettre. Je comprends pas. Autant parfois je fais mes mixtures, donc je peux comprendre en fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais là j'ai suivi la recette et ça marche toujours pas. Ouais, non, les navettes dans la aioli, non, sûrement pas, non, arrête. Attendez, j'ouvre un petit peu parce que du coup ça c'est. Ouais, je vous promets, ça fait comme du pain. Bon, bah écoutez, peut-être que la farine, il fallait pas que j'utilise celle-là. De toute façon, c'est toujours la faute. C'est la farine, c'est pas moi. Ou alors c'est comme ça, j'en ai jamais mangé. Après en photo, c'était pas joli. Du coup, je vous montre, ça ressemble à ça. Je vous montrerai en gros plan tout à l'heure quand on fera les différents plats. Ah, oh, merci, Lilia Cobaye. Ah, oh, merci, c'est trop bien, j'adore. Alors, personne. Mais mes chiens, oui. Ils ont même déjà mangé leur cacou. C'est quoi? Le cacou? Elles paraissent bien, Doom. Ok. Donc, en fait, c'est peut-être que je connais pas en fait. Ouais, donc du coup, ça a cette forme-là. J'aurais peut-être mieux de les faire un peu plus petites. Et le fait que ce soit peut-être un peu gros, du coup, ça... Ouais. Voilà, bon, je vais les montrer après, ok? Donc on va faire l'anchoyade. Hop, nous allons prendre des anchois. Bonjour Vivon. Hey, salut, comment ça va? Pas trop de courbatures, ça va? Une petite fessée au plan. Ouais. Ouais, c'est moelleux. Oui, c'est un petit peu moelleux. Ouais, est-ce que ça doit être moelleux? Parce que du coup, ici, c'est moelleux. Ça doit l'être?
Oui. Mince, désolée, Kappa. Attends, je regarde. Tu vois qu'il est bien cuit? Celui-là, un peu moins. Celui-là, je pense qu'il croustille en fait. Ça croustille des nanettes? Des navettes, pardon, des nanettes. N'importe quoi. Attendez. Donc on part sur l'anchoïa, nous allons mettre voilà, à peu près 200 grammes d'anchois, ça nous fera notre petit apéritif avec des petits bâtonnets de légumes. Très bien. Et attends, attendez. Oui, c'est pas grave, on va faire ça. J'aimerais bien manger ça parce que du coup il On va faire le vaisselle parce qu'il y a des mouches qui commencent à monter. On va surtout mettre dans la vaisselle surtout. Alors ouais, donc on va faire la vaisselle et donc bien tranquille aussi, pas chaud. Oui, tout sera. Bonjour Maya les modos, salut nos Twitch, ça va? Du coup, désolée, là je vais mettre de l'eau dans la vaisselle et on va faire le point de la vaisselle parce qu'il y a deux mouches qui me gonflent. Donc, soi-disant, le basilic, ça marche? J'ai pas l'impression. Hein. Le basilic. Ok. Donc, du coup, ton psy est au courant que tu vas sur Twitch, il est ok. Et Kai, t'as dit quoi? Hop, une crapette, ils viennent de sortir du four, attention, dans 1 heure ça sera du béton. Arrête, fais crouche, mais peut-être en plus je vous le dirai. Vendredi, je vous dis ça, promis. Ouais, pas le choix. Oui, bah oui, pas le choix, ouais. Et donc, ok, chaud, mais ça va. Mets-toi nu. Ouais, il fait chaud, allez-y. Parce que moi, à la fin du stream, la première chose que je fais, je me mets en maillot. Hein. Ouais, bon, pas encore m'arroser, j'irai m'arroser après. J'ai pas dit que je me retiens, ne le prends pas comme ça. Ah, écoute, il n'est pas. Ok. Je m'occupe de ma petite fille ce matin, donc je reste à la maison. D'accord, ok. Oh, c'est mignon. Et vous avez fait quoi? Ouais, moi ça va bien, bien Twitch, nickel. Les gestes barrières. Donc sa cuisine, très bien. Ça ouais, c'est ça, tu lui cuisines quoi de bon, c'est clair, des bisous. Ah, elle a que 6 mois. Ah oui, elle est petite. Hein. Oui, c'est clair. Merci Yacoboy, merci. Ouais, toi aussi. Bah écoute, ouais, repose-toi bien. Ravi. Ouais, c'est trop mignon. Oui, ouais, 2 mois, c'est trop mignon. Dors bien, Yacoboy, et bienvenue. Ouais, bienvenue bah, avec nous. Oui, vous êtes trop mignon. J'adore. Belle journée, ouais, c'est clair. Très bien. Allez, hop là. Ah, oh, ok. Bien, bien, bonjour. C'est pas au stream sport, ouais, le chat. Voilà, c'est le matin, il est juste heureux. Il passe sa matinée dehors sur le rebord de la fenêtre, hein, mais voilà, c'est bien ici. Hein. Le chat, tu fais coucou, coucou. Oh bah voilà, c'est bon, vous avez dit bonjour. Allez, on part pour l'enchaînage. Et vous pouvez montrer les muscles des bras. Mais ouais, alors là, deuxième fois qu'on me pose la question. Bonjour Faye07. Bonjour, ça va? Oui, merci pour le follow Faye07. Excuse-moi, tu te crois dans foudoir. Crois dans foudoir. Pourquoi? C'est quoi foudoir? Je connais pas. Tu as déjà giflé 3-5 fois déjà un enfant devant les autres pour que la classe. Ouh là, kick. Ouh, non, non. Ouais, bien nourri. Ouais. Pourtant, il marche beaucoup, hein. Non, kick, non, 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 j'ai pas fait ça. Non, non. Mais mon Dieu, ça t'est arrivé? C'est pas drôle, en fait, je rigole, mais c'est juste pas drôle. Non, non, j'ai jamais fait ça. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Alors, nous allons prendre le chocolat pour essayer de retirer un petit peu d'huile, quand même. J'ai un point rouge sur le front, ah mince. Tueur en série de profs. Mais non, mais en fait, donc Kik, t'as quel âge? Du coup, t'es encore en contact avec des profs? Après, moi j'avoue, il m'arrivait des choses quand j'étais plus jeune, mais bon, c'est passé quoi. Faut avancer, faut regarder devant, pas derrière. Parce que
que du coup, si tu regardes derrière, tu macères, tu macères, tu macères, et du coup, tu n'avances pas. Voilà, et si tu veux être bien, il faut avancer. Donc, tu regardes devant. Et tu oublies les cons. C'est un anime de cuisine? Ah, d'accord, ok. Et donc, du coup, pourquoi ça te fait penser que je suis un anime de cuisine? Ok, donc nous avons nos anchois. On va juste faire une petite anchoyade, hein, c'est pas... Hop, voilà. Bien, c'est un... Tu fais encore pipi sur... Ouais. Même sans balancier. Cafard, la moindre des politesses, c'est de dire bonjour. Quand ça balance. Ok, alors attends. Ok. Mais non, mais je sais pas qu'il agit là. Du coup, il faudrait savoir. Parce que si c'est un enfant et tout, il faut qu'il apprenne à gérer ça. Vous êtes encore... Non mais au secours, Bigfoot est... Non mais n'importe quoi. C'est vrai que Gastru nous aide, hein, parce qu'il a des petits problèmes intestinaux, du coup. Hop. Allez, donc j'ai pris une dizaine d'anchois, ça me sera bon. Et voilà, donc on va juste mettre voilà, deux gousses d'ail, un petit filet d'huile d'olive, et c'est bon, on aura notre petite anchoyade. Et on va lancer les pop-corn. Là, ça fait beaucoup. Bonjour. Ben, fait. Ah, c'est maintenant. Alors, pour donner mon témoignage, j'ai 37 ans et ça m'arrive de temps en temps de faire pipi au lit. Rôti de dinde. Ah, bah du coup, je sais pas à quoi c'est lié. Après, il faut pas trop boire avant de. Faut, tu sais, il faut que tu laisses au moins ta vessie pendant 2-3 heures avant d'aller dormir. Faut pas que tu boives trop. Bon, il y a ça en explication et après, bah du coup, pipi au lit. Ouais, je sais pas, ça peut être t'es stressé en fait, du coup. Et t'en as parlé avec un médecin? Bah oui, c'est ça. T'en as parlé avec un médecin? Ouais, gastro, on va faire les pop-corn. Ouais. C'est que ce sont les autres qui ramassent. Ouais, très drôle, Yvan. Excellent. Mais oui, c'est confession intime, c'est clair. Tu fais des cauchemars? Bah oui, c'est... Bah, je sais pas. Ou alors il y a quelqu'un qui te met les doigts dans l'eau. Moi, mon frère, on l'avait fait. On lui avait mis pendant qu'il dormait, en fait, des, ses doigts dans l'eau. Il s'est mis à faire pipi direct. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient t'embêter la nuit, en fait. Ouais. Ok, bah, je récupère mes anchois. Donc rempli d'oméga 3, donc un poisson gras par semaine, hein, pour, hop, pour les bonnes huiles, les bonnes graisses. Maya torture. Non mais c'est trop drôle. Bon, vous inquiétez pas, il s'est mangé tout. Hein. Avec dentifrice, des choses comme ça. Mais c'est vrai, quand on est petit, on est con, quoi. Mais on rigole. Mais oui, mais grave. Tu te fais trop. Même à un pote, tu vois, tu le fais, quoi. Si t'as l'occasion. Ah bah oui, bah ouais. Donc du coup, bon, bah c'est pas très grave, alors. Tu as vraiment... Bah oui. C'est drôle, non? Non, non, y a pas mal de la kiffi. C'est drôle, non? Ok, bon, ben, on est parti pour l'anchoyade. Donc, je vais juste prendre deux petites gousses d'ail. Là, on va prendre l'ail, hein, ça c'est clair. Non, il n'y a pas de matelas. Oh. Monsieur, des titres de juin. Ah, bah oui. Merci pour le follow, c'est bouffe. Ah, c'est bouffe. C'est bouffe, c'est bouffe. Ah, bah, lui, il est pas bon. Hop. Bon, les envies impérieuses, ça s'opère sans problème. Oui, voilà, c'est ça. Donc, après, il fallait voir un médecin. Ah bah et ça me fait penser à autre chose, à ce que tu dis, Bigfoot. En faisant un nœud. Oui, moi, ça me fait penser à autre chose. Qu'il existe d'autres pratiques, non? Ok. Stop, tu veux. Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, je sais pas. Ok. Donc, nous mettons notre gousse d'ail. On va mettre un tout petit peu... non, je vais d'abord mixer et après, on mettra l'huile dedans. Hop, parti. Bah on est à Marseille, donc non, en fait je fais pas une mixture, on est à Marseille, donc on met de l'huile d'olive. Allez, voilà. Voilà, et on termine, donc il faut un petit peu de jus de citron, et puis bah écoutez, on sera bon. Non, même pas, c'est le poivre.
Et on est bon. Bonjour J-Wings, salut, ça va? Golden Show. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça à quoi je pensais. Hey, coucou Narflo, merci pour le sub, merci pour le sub à Zenod. Narflo, ouais. Bonjour Strikeune, comment ça va? Et Kavar qui recommence, salut Faye, pardon, j'avais oublié. Mais ouais. Merci Narflo, ouais, c'est trop gentil. Du coup, toi, ça va? Mais laissez-le s'il veut pas, juste si toi, ça va. Voilà. Et merci, c'est trop gentil. Merci, merci. Un Bigfoot. Ouais. Bon, ça va, Strikeune? Oui. Alors, du coup, on a fini notre enchoyade. Hop. On va débrancher ça. Hop. On va mettre ça dans un vraiment petit bol parce que du coup... Ah, je sais ce qu'on va faire. On va mettre l'enchoyade là et puis on va faire juste des petits bâtonnets de carottes. Voilà, c'est pour l'apéritif. Dirais-je, ça... T'as vu, Jimmy, ça? Ouais, en fait, il y a eu un long défilement, on est arrivé sur ça. Entre l'école, les enfants, bref, voilà. Bonsoir, donc, ok, vous connaissez la japonaise Yuka sur YouTube, c'est une fille qui mange des plats à 12 000 calories. Non, du tout, et ça va, elle va rester mince, McLovin? Ah, du coup, c'était pas toi qui m'as parlé d'Alan Foodwar? Et récupère ton petit... Excellent. Tu prépares les shampoings aux yeux. Excellent. Tu nous inquiètes un peu. Ouais, bah oui, c'est clair. À 12 000 calories. Hein. Et du coup, c'est quoi? C'est des... Parce qu'il faut y aller pour avoir 12 000 calories. Voilà, donc du coup... Ah ouais, ce qu'on va faire... Bon, il faut un petit peu plus d'huile. Hein. Moi, c'est un peu dense et tout, mais c'est pas grave. Hop. Au moins, je n'ai pas toutes les calories des huiles. De la cuisine. Ah, de quoi? De quoi, de quoi? Elle est toute mince en plus. Bah, c'est pas possible. Elle va se faire vomir alors. C'est juste pas possible en fait. Merci pour le follow. Merci Alex Gamin. Merci. Merci, merci. Daniela. Elmer Footbeat. Oui, moi je connais. Daniela, la, la. Ouais, la caissière de chez Leclerc. Mais grave. Coucou, coucou. Un peu plus. Oui, oui, la caissière de chez Leclerc, attends, mais oui, mais oui. Ok, du coup, voilà, on va faire des petits bâtonnets. Et on va prendre 2-3 radis. On va faire concombre, parce que du coup, on n'a pas de concombre. Bon, carottes, ah oui, il y avait les deux petites carottes de tout à l'heure. Voilà, comme ça, on fait petit plateau apéritif. Et du coup, voilà, donc au lieu de prendre du pain et tout et de grossir encore plus, on prend des petits légumes et on se fait un petit apéritif. Hop là, on va prendre les radis. Voilà, et c'est là où on peut parler de, vous savez, de rééquilibrage, quoi. On équilibre. Salut mon bébé. Ah, je suis contente que tu viennes, parce que du coup, il venait plus. Je suis négative, je vais polir le chat. Je me demande si mon poulet là ce soir, je le fais avec des frites ou du riz. Ah, bah moi, je conseille... Ouais, avec du riz, ça dépend ce que tu veux manger. Pourquoi vous me traitez de gamin? Ah, c'est Alex Gaming. Gaming, excuse-moi. Désolée, Alex, parce que du coup, je lis mal les... ouais, c'est ça. On va y mettre les doigts. Attends, c'est quoi? Quand on est... Attends, ouais, je sais plus. Oui, mais je connais, ouais, voilà. Et c'est... oui, alors Gaming. Oui, merci, Doom. Du coup, j'ai mal lu. Merci, les gars. Je suis désolée. C'est chaud d'être sur ces petits blancs comme ça. M'appelle pas bébé en live, s'il te plaît. Taille de carton. Tu penches tout le temps, tu t'arrêtes jamais. C'est quoi? Tu punches? Ah, c'est genre sniper, c'est ça? C'est que Bigfoot, c'est sniper, c'est ça? Je suis belle, donc je partirai plus sur les frites. Ouais, je suis d'accord. Après, ça dépend. Donc, le soir, donc si tu veux, riz complet. Hein, ils vont, j'ai utilisé de l'huile d'olive. Et pas grave, je suis belge. C'est Nawak le chat. Oui, bah le chat, il passe, hein, t'as vu? ouais, donc ouais, désolé. On passe un moment sur ton live. Merci Kid247, merci pour le follow, MJU, merci. MJU, merci pour le follow. Et donc attends, la complainte de la... bonjour MJU, ouais, merci pour le follow. Et donc, Daniela. Oui, ça y est, il est fait la Yoli. Du coup, là je suis à la finition. Du coup, attendez, là je suis à la finition. Ouais. On a fait une petite enchoyade, on va faire sauce à Yoli. Juste, je vous découpe les légumes. Et puis, bah écoutez, on va lancer les pop-corns. Ouais, t'as vu le chat, je sais pas ce qu'il a, mais... Non, il se fait des câlins.
Il a retrouvé sa copine hier matin, elle est passée. C'est peut-être ça hein, qui fait que... Bébé, tu veux pas rester avec nous? Non? Bon, bah écoute, vas-y. Vas-y. Tu viens? Qu'est-ce que tu veux? Bah écoutez, hein, ça a l'air d'aller. Hein, Tu veux rester, tu restes. Hein. Mets le concombre derrière le chat. Ah, pourquoi? Mais il y a des radis et concombres dans la... Mais non, alors, Jules, là, du tout, en fait, non. J'ai fait une enchoyade, je t'explique. J'ai fait une enchoyade, ici. Et du coup, en fait, je vais l'accompagner de petits légumes à croquer pour l'apéritif. Donc, au lieu de le, tu sais, de manger, par exemple, avec du pain ou des trucs comme ça. Ça, c'est l'enchoyade, attention, hein, c'est pas la yoli, hein. La yoli arrive. Voilà, c'est pour un petit apéritif. Allez, je pense qu'il va y avoir 100 calories, même pas. Et donc, si c'est ok pour un manque de respect, excellent. Et donc, voilà, très bien, merci. Voilà. Bon, il y aura plus de concombre que de carottes, hein, c'est pas grave. On va les mettre au milieu pour faire un peu de couleur. Et il a plus son... Non, il a pas... Oui, t'as vu, Baloulou? Ouais, ouais, il a... C'est bon, il est guéri en plus. Offre-lui une clope. Excellent. Non, il a plus, il a plus. Donc, il a pris des antibiotiques en fait. Donc, déjà, le veto lui avait donné un antibiotique. Et du coup, bon, en fait, c'est des antibiotiques là, toujours qu'il continue à prendre. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. Et il a plus sa blessure. Elle a complètement presque disparu. Cafin, remets le son. Ban, report, coupe le son. Arrêtez, de quoi vous parlez? Enchoyade, ça s'écrit A-N-C-H-O-I-A-D-E. Hop là. Bon, du coup, on voit plus très bien l'enchoyade, mais c'est pas grave. Hein. je vous montrerai comme ça là. Bon, bah écoutez, voilà, on a fini. On a. Hop. Le temps que je sors tout, je vais vous montrer ma nouvelle méthode pour faire les pop-corn. Hop là, en 2-3 mouvements, c'est. On voit chez le gaz en fait. Tant mieux s'il va mieux. Ouais, merci Balulu, c'est gentil. Voilà, il va beaucoup mieux. Et puis là, il est, là, je me dis, là, je crois que ce matin, il est en pleine forme. Voilà, il est reparti, là. Par contre, c'est vrai qu'il a chaud, hein. La nuit, il a chaud. Même, il y a des moments, en fait, il est complètement étalé sur le carrelage, parce qu'il bah, cherche du frais, quoi. Ouais, les pop-corn. Ouais, la nouvelle méthode. Ouais, là, par contre, en fait, il faut pas trop que je vous parle, parce que sinon, ça peut cramer en 2-3 mouvements. Donc, voilà. Donc, nous allons juste mettre... bah voilà, sous le gaz en fait. Donc nous prenons notre petite poignée. Donc là on est toujours dans la compétition. Elsie, merci pour le follow, le grand Zazakil, merci pour le follow. Voilà, donc nous avons juste 80-90. Même pas. Allez, 80 calories là. Et puis bah écoute, on est parti. Voilà. Et on va faire une petite vue d'ensemble, un fond d'huile. Non, pas d'huile. Non, non, pas d'huile. Non, non, on essaie de gagner des calories. Ben oui, ça vous dit malheureux. Ouais, pas mieux cultiver avec les Français, c'est certain. Voilà. Il me donne envie de ton plat, j'adore les légumes. Ah, cool, Yvon, bah, génial. Attendez, donc là, du coup, on va faire le point sur les différents plats qu'on a fait. Voilà, et donc, du coup, c'est hyper équilibré. Là, il n'y a que des produits sains. En plus, huile d'olive, oméga 9. Voilà, il n'y a que des produits sains. Donc, c'est vraiment super, 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 super. Grave, merci, Doom. Et la bière, ouais, mojito, non, non, du coup, non, 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 je pense que, en fait, il me reste du vin à terminer, donc je pense que je prendrai juste un petit verre de vin. Hop, du coup, je vais mon concombre, donc là, on va sortir le plateau. Hop là, donc nous avons le plateau. Et hé, mojito, ouais, et du coup, il y a l'œuf que je viens de voir, donc on va éplucher l'œuf. Parce que normalement, il y a un œuf. Hop. Ouais, c'est ça. Non, si tu veux faire une mayo, tu prends du skyr avec un jaune d'œuf et de la moutarde. Ouais, Doom, ouais. Bon, c'est un petit vin et tout, mais il est trop bon, en fait. J'ai trouvé ici, bah, quand je suis partie aux courses, là. Voilà, du coup, nous avons notre œuf. Alors, on va le remettre sur le plateau.
Voilà. Et donc du coup, je vous montre. Merci pour le follow. Ouais, le skier. Ah ben oui, merci. FC Argent, merci. Merci, merci. Alors, hop, je vous débarrasse tout ça. Œuf dur, betterave, bulot, chou-fleur. Ouais, j'ai pas de chou-fleur. C'est ça le truc qui manque. Oui, pâte. Oui, allez, hop, allez, pâte vegan, c'est parti. Donc on y va. Donc nous avons notre aïoli marseillais. Hop, qui est ici. Donc hop là. Oui, comme le plateau il est pas dur. Pâte. Ouais, non, c'est clair. Si, si, twister up. C'est pas ça, c'est qu'en fait, quand on fait les pâtes et tout, je me dis qu'est-ce que. Ah, merci pour le follow. Merci Claude, j'adopte. Merci pour le follow. Du coup, donc nous avons des courgettes, la fenouil, des pommes de terre. Donc plateau hyper équilibré. Donc la protéine avec les bulots, la morue et les œufs. Donc on a des légumes, on a des glucides. Ouais, c'est joli, hein. Ouais, ouais, c'est joli, j'aime bien. On a des glucides avec nos pommes de terre. Et puis on a plein de vitamines, d'antioxydants. Voilà. Donc cette assiette est géniale. Ouais, miam miam. Ouais, grave. Et c'est hyper équilibré. Donc là, on a la sauce à aioli. Du coup, donc avec de l'ail, il y a un tout petit peu d'huile. Je prends les carottes. Je prends... Ouais, merci Yvon. Baby Poot, t'es pas gentil. C'est hyper beau. C'est juste trop beau. Fais voir l'onctuosité de l'aioli. Alors, du coup, tu le vois là ou pas? C'est bon ou pas? Sachant que je n'ai pas mis beaucoup d'huile. Hein. Ouais, je sais. Antioxydant, c'est racine. Non, pourquoi antioxydant? On est de pire en pire dans le chat et pourtant tu fais de mon... Et tu fais... Ouais, t'as vu, c'est gentil. Ok, donc là on voit pas très bien du coup, mais on a l'anchoyade qui est juste au fond de la préparation. Bon, c'est plus liquide, hein, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas beaucoup d'huile comme ça du coup. Voilà, on fait attention. Hein. Trop liquide par rapport... Oui, mais alors certainement, tu sais pourquoi même Jules? Parce que j'ai pas continué à monter avec l'huile d'olive. Il faut en mettre beaucoup, tu sais, pour que ça fasse vraiment un truc épais. Mais moi, comme je n'ai mis qu'un petit peu, voilà, du coup, moi, ça me va. Mais ouais, tu as complètement raison, je suis d'accord. Faut pas que ça coule. Oui, je sais. Oui, normalement, ça... Oui, je sais. Hop, hop. Hey, bonsoir, Japon Demonium. Salut. Il y a des trucs qui se battent, là. Oui, non, ici, non, ici, il y a les carottes gastro, c'est bon. Et Bigfoot, t'en as ici aussi, si tu veux. Voilà, et donc, du coup, je vais chercher les navettes. Et les navettes que nous avons faites, qui sont ici. Pâte vegan. Voilà, donc du coup, ça ressemble à ça. C'est devenu dur comme du béton. Bah, Loulou, c'est toi qui avais raison. Attendez, mais sans déconner. Mon Dieu. Doom, c'est bon, tu as... Ouais, mais grave, par contre, la femme, tu bosses plus et tu croises des gaines. Alors, M. Jules, si tu savais, mes après-midi, comme ils sont chargés. Ouais, elle est riche, ta grande. C'est pour un pote. Ouais, tu m'étonnes. Oui, ASMR popcorn, je sais pas si vous les voyez. Ils sont là. Donc là, c'est bon, c'est prêt. C'est pas magnifique? Hop là. Paix à son âme, alors, M. Jules. Ouais, on est absorbé par le popcorn. Fallait bien faire. Ouais, désolé, Twister Up. Alors, du coup, je sais pas. C'est peut-être au niveau de la cuisson, je me suis plantée. Voilà. Donc, cafard. Ouais, on va faire ASMR. Ah non. Ah bah non. Ça doit être croustillant ou pas? Bah, M. Jules, je... Voilà. Les panisses, on les a déjà fait. Et les chichis, c'est trop gras pour moi. J'ai regardé pour en faire, mais c'est dans la friture et tout. Voilà, moi, je suis pas très friture. Bon, bah, en tout cas, au goût, c'est bon. Ouais, bah, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, bah, écoutez, c'est pas fait. Enfin, ouais. Parce que du coup, en fait, c'est ça. Ouais, ça croque à peine comme... Ouais, c'est ça, donc du coup, en fait, non, c'est bon, on était bon. Voilà, bon, bah écoutez, je vous propose de nous retrouver, donc on va se retrouver vendredi. Donc on part au Moyen-Âge, on va faire un stream, enfin, un cuisine Moyen-Âge, il va y avoir 4 recettes. Voilà. Pour qu'elle ait une porte, ça doit bien marcher. Ouais, bonjour Team Suzuki, salut, ça va? Ouais, bon, en tout cas, ouais, bonsoir, oui, grave, quoi, pas de stream demain, gastro, non, samedi, j'en fais deux, je fais le matin et l'après-midi, au marché, cool, on part dans le passé, oui, c'est ça, exactement, alors du coup, vous allez voir que les recettes, voilà, mais en tout cas, c'est des recettes typiques de certaines périodes, et c'est marrant, parce qu'ils cuisinaient la poudre d'amande, en fait, dans des trucs, c'est chelou, bref, voilà, donc on part au Moyen-Âge, cuisine Moyen-Âge, sorcière bien votée au bûcher, ouais, mais grave. Merci à vous d'avoir été là. Merci Kafa pour les... Ouais, merci, c'est gentil.
Pour le moyen. Ouais, alors ça, Twister Rob, j'ai pas la tenue. Hein. Moyen-Âge, ça serait quoi? Les robes là, j'ai pas. J'ai que des petites robes d'été ou pantalons. Et pantalons, à la rigueur, je pourrais. Et il faudrait que je vois un haut qui ferait style Moyen-Âge. Ouais, bah écoutez, je vais regarder. Ouais, je vais regarder. C'est dommage parce que la brocante, c'est samedi matin et pas vendredi. Ils sont chelous, mais c'est pas gentil de parler. Ah, c'est la Belgique, t'es pas gentil. T'es pas gentil. Ouais, merci Gastro. Ah, t'as copié-collé Cafard. Ah, feignant, t'as copié Cafard. Non, mais arrêtez, Bigfoot. Bande de feignasses. Donc, bah, merci Cafard. Vous savez quoi, vous, je vous dirai pas merci parce que du coup, vous avez copié sur Cafard. Non, pas là, ce midi. Alors le poisson, oui, je vais le manger, ça c'est sûr. Je pense que la moitié des légumes, ça j'en fais mon affaire. Pareil pour l'apéritif. Et je me prendrai une navette. Mais il restera un tout petit peu, je pense, pour ce soir. Mais quoi? C'est Cafard qui a copié au début. Ouais, c'est vrai, les droits. Ouais, bah oui, c'est clair. Bon, bah, allez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis je vous dis, bah, on se retrouve vendredi matin. Et merci pour tout. Merci pour les tears, merci pour les sèmes. Voilà, merci pour les... Merci Dou, c'est trop gentil. Ouais, merci. C'est à cause du mémé. Ouais. Ok, tu sais pas qu'on manque de respect. Gros bisous. Gros bisous à tous.